L'heure est très grave, les amis. Très très grave. On va commencer par les choses qui ne font pas plaisir, mais on est obligé de commencer par là. Nous sommes en avril 2024. Une minute de silence pour le dernier mois de ma trentaine. Le mois prochain, tout est foutu. J'arrive pas à réaliser que je vais avoir 40 ans. Ça semble pas réaliste en fait. Mais bordel, c'est vrai. Merde, il nous reste un mois. Un mois de jeunesse, profitons-en. Alors, je viens de voir Marine qui émet rapidement. Il fait froid. Marine, je suis en t-shirt. Marine, je suis en t-shirt. Il fait froid, mais n'oublie jamais ma bichette. J'ai toujours la bouillotte sur les genoux. Mais oui, les copains, je vais fêter là mes 40 ans dans un mois. Donc nous allons commencer un décompte funeste. Un décompte pas vraiment joyeux, mais nous allons le faire cependant. Non, j'arrive pas du tout à réaliser. Je pense que ce sera un jour noir le 6 mai. On va zapper cette journée. Vous imaginez, de 40, après on passe à la cinquantaine, quoi. Je suis passée de l'autre côté du miroir, c'est ça que ça veut dire en fait. Après, vous comptez la fin de votre vie. Chaud, c'est chaud. C'est chaud. Merci pour votre soutien dans le chat parce que j'en aurais bien besoin. J'espère que vous allez bien, les copains. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, comment ça va? J'espère que vous avez la forme. À la base, je voulais streamer hier et vous retrouver le lundi soir, parce que c'est très souvent le lundi soir qu'on est en live ensemble. Et finalement, en fait, j'étais éclatée parce que je me suis complètement déréglée en termes de sommeil pas avec le changement d'heure en fait, avec le fait d'avoir streamé samedi soir jusqu'à 1h30 du matin. Il y a eu le changement d'heure du coup samedi à dimanche et je me suis couchée, il était 5 heures, bon 4 heures à l'heure d'hiver, mais 5 heures à l'heure d'été. Et quand je vous dis, il suffit que je fasse ça une fois, ça me bousille une semaine entière. Donc du coup, j'étais pas du tout en état de pouvoir streamer hier soir. J'étais non, tant pis, je fais là, j'aurais pas la pêche et tout pour tenir 3 heures de stream. Donc je me suis dit, on va le faire ce soir, tranquillou, entre nous. Ça va être sympa. En plus, là, on va faire des choses un peu plus sérieuses que la dernière fois, on s'est bien baladé en Lurnia. Donc c'était très très cool. Là, on va continuer notre balade en Lurnia parce qu'on n'a pas tout à fait fini notre visite et on va repartir au château de Voilorage parce que Godric nous y attend. Je sais pas si j'ai le level pour le dézinguer là tout de suite maintenant, mais ma foi, qui n'essaye pas ne sait pas. Donc on va faire ça et ça va être très très marrant. Et si je vous disais bonsoir individuellement, comme ce serait quand même cool. Coucou à mon Guillaume qui est venu très tôt ce matin. J'espère que tu vas bien mon Guillaume. Coucou mon Seb. J'ai vu Elvie qui t'appelle l'homme à la rose et je trouve que c'est très bien trouvé, Elvie, parce qu'il nous donne tout le temps des roses. Seb, tu sais, Seb, on voudrait des hommes comme ça dans la vie, des hommes qui nous offrent des roses. Ça se fait plus, hein. Est-ce que vous... Tiens, les hommes du chat, à quand remonte la dernière fois que vous avez offert des fleurs à votre femme, à votre copine, à une femme tout court, hors Saint-Valentin? Je retire la Saint-Valentin parce que si vous me dites la Saint-Valentin, quelque part, vous avez comme une obligation de le faire. Hors Saint-Valentin, quand est-ce que vous avez offert des fleurs à une femme? Est-ce que ça se fait encore? Moi, j'ai l'impression que non. Moi, je prône le romantisme. J'adore recevoir des fleurs. Coucou mon petit Yann, qui nous rejoindra à 21h50 comme d'habitude parce qu'il travaille. Coucou mon Jimmy, je n'étais pas présent au dernier live, tu n'as pas encore battu ta jumelle Malenia, j'espère. Non, Malenia est très 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 loin. On a bien encore une dizaine de lives à faire, je pense, avant d'arriver à Malenia. Donc pas d'inquiétude Jimmy. Coucou mon petit Flo, un petit live, ça sera plaisant à ce soir Sam et le chat. Eh ben, je suis ravie que tu viennes mon petit Flo. Coucou mon Seven, comment tu vas? Je répondrai juste par présent. Oh. Bon, Seven, merci beaucoup, merci d'être là. Salut Ellie, hello Sam, première fois sur un live, je regarderai probablement la fin replay car j'ai un petit bout de 4 ans que je vais devoir mettre au lit bientôt. Pas de soucis Ellie, merci d'être là, en tout cas en début de soirée, c'est très gentil à toi. Coucou la team Modon, donc il y a ma Elvie d'amour, il y a mon Yuchigo, il y a ma Modette, j'espère que vous allez bien. Ma team Modo que j'adore, qui sont extraordinaires, vraiment j'ai beaucoup de chance avec ma team Modo. Avec Maletti aussi et mon Greg, hein, qui sont peut-être pas déjà arrivés, mais on est vraiment une team très soudée avec la team Modo, et du coup, c'est hyper, hyper agréable de travailler dans ces conditions-là. Donc, merci à vous et je vous fais un énorme bisou. Coucou, URG! Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Salut ma petite Marine, comment ça va?
Bienvenue sur le live, bienvenue, salut ma Karen, comment ça va ma Karen? J'espère que tu vas bien, salut Lucas, hello Sam, coucou tout le monde, comment va? Ben écoute, ça va super bien, salut mon Hercine, salut Romain, comment ça va? Salut RS, comment vas-tu? J'espère que vous avez tous la pêche, salut Baptiste, bonsoir tout le monde, bonsoir Sam, et non t'inquiète, c'est dans la tête l'âge, c'est dans la tête et un peu sur le visage, moi je me défends encore bien, mais je vous jure que je pense Botox. Ça va, j'aurais attendu 40 années, mais vraiment, je crois que je passerai le cap. Je sais que vous ne le voyez pas à la caméra, parce que en règle générale, je maintiens toujours mon visage pour qu'il n'ait pas trop d'expression. Mais moi, je le vois le matin au réveil, quand j'ai une barre là, et je fais excusez-moi, madame, excusez-moi, vous n'avez rien à faire ici, merci de partir. Tu les fais pas tes 40 ans, tu fais plus jeune 30 ans. T'es un amour, Seb, merci beaucoup. Très jolie couleur de cheveux, courage pour les 40 ans. J'ai fait 48 le 5 avril. 48 déjà! Oh mon Dieu, les 50 s'approchent à grands pas pour toi. Courage! Salut mon Jérémy, comment vas-tu? Tic-tac, tic-tac, exactement. Ça y est, on va faire un décompte. Non, Karen, t'as 49? J'aurais jamais dit. Sérieux? Tu fêtes quand du coup les 50? Dis-nous tout. Tu me diras ce que ça donne les 40, si ça me tente ou pas. Hein. Écoute, tu vas me suivre 10 jours après, Yuchi. Il n'y a pas de tentative de je ne sais pas quoi. Tu me suis tout de suite après, on discutera ensemble, on pleurera ensemble des conséquences. Salut, Targaryen 35, bonjour et courage pour tes 40 ans, t'inquiète, ça va bien se passer. Un Targaryen, mon Dieu, il y a Daenerys. On pense bien évidemment à ses frères qui sont morts tous les deux. Au roi fou. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne. Salut mon Star Pilot, salut à tous. J'ai battu Malenia. 245 heures de jeu encore sur ma première run. J'approche de la fin doucement mais sûrement. Quel jeu bordel. Ah! J'adore entendre ça. J'adore entendre les gens se mettre à Elden Ring et constater la richesse en fait de ce jeu, la grandeur de ce jeu, la taille de la map, le level design. C'est tout bonnement incroyable, et sans parler du gameplay, de toutes les armes qui nous sont offertes, de toutes les possibilités de builds différents qu'on peut avoir dans le jeu, et sans même parler du lore. Je veux dire, enfin, bref, c'est une masterclass. Si vraiment s'il n'avait pas eu le GOTY, je pense que j'aurais fait un scandale, je serais allée à Los Angeles, parce que d'où tu veux que God of War s'aligne à ça? Non, mais, excusez-moi. Je suis contente pour toi, Star Pilot, mais bravo, hein, je sais que Malenia, c'est un gros morceau. Coucou mon Rémi, j'offre des backstabs dans le Colisée. Contre qui tu vas fighter au Colisée, là, doucement? Doucement mon Rémi. D'ailleurs, mon Rémi, faut qu'on rediscute, mais j'ai pensé à t'envoyer un message aujourd'hui et j'ai zappé, il faut qu'on s'écrive. Faut qu'on s'écrive, faut pas que j'oublie demain de t'envoyer un petit message. Une rose à l'anniversaire de ma femme. Ah oh putain, donc une seule et une fois par an. Bah putain, la générosité, jamais de fleurs, que des chocolats. Bon, à la limite, si elle préfère les chocolats, ça s'entend. Je ne veux pas de rose, je veux du cash. Marine. Marine, avec quel genre d'homme tu sors? Dis-nous tout. Salut Wagyu! Oh mon Dieu, tu sais Wagyu, tu viens de me donner faim parce que tu viens de me faire penser au bœuf Wagyu. Alors désolé, sûrement que ton pseudo n'a rien à voir avec ça, mais le bœuf Wagyu, quoi, c'est un truc de fou. Une rose en style cristal, rose de la Belle et la Bête. Oh, c'est joli ça, oui, une rose éternelle, c'est très joli. Ça dépend de la génération maintenant, je pense, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, le cas, moi, j'allais dire de mon temps, mais ça va pas, non? Enfin, moi, on m'offre des fleurs en tout cas. Mais aussi, c'est parce que je fais comprendre quel genre d'attention j'attends et quel genre de femme je suis. Donc après... Mais je me dis, un mec à qui tu le dis pas, à qui tu fais pas comprendre en fait ce que t'attends, je suis pas certaine qu'il t'offre des roses. Je sais pas, je sais pas. C'est intéressant, on va faire une étude. Hein. Baptiste, des plantes vertes plutôt, ça dure plus longtemps. C'est moins romantique, mais c'est joli aussi les plantes vertes, c'est joli aussi. Salut mon GS, comment tu vas? Moi ça va bien, merci beaucoup. Salut Martin, comment ça va? Salut mon Chris, bienvenue. Je suis là pour le date, c'est fabuleux. Écoute, Malenia est au rendez-vous. Là 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 là. Elvie qui dit à Rémi, je t'attends dans les enfers.
Bah écoute, on est assez cool nous ici. Salut mon Christophe, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Salut David. Je reste pas longtemps et moi j'ai déjà 50 ans. C'était dur ou pas de passer la barrière des 50? Dis-nous tout. J'aurai 50 dans 6 jours. Christophe. Ah! J'espère qu'on sera en stream. Ça tombe quel jour du coup? Ça tombe dimanche? C'est dimanche ton anniversaire? Tu me rediras? J'espère qu'on sera en live, comme ça on pourra te le souhaiter. J'ai eu 49 ans le 11 mars. Bon, d'accord. Donc les 50 approchent à grands pas. La date anniversaire de Fukushima. Le 11 mars aussi. Ah là 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 là, courage à nous qui prenons de l'âge. Bientôt film ou série Elden Ring. Alors j'ai entendu parler de ça, ça serait absolument fabuleux. Je serais la première à aller le voir. Ça serait trop trop cool. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Cet après-midi, j'étais en train d'écouter ton run Malenia avec Playmo. Ça m'a fait mon après-midi, merci. Ah, oh, trop bien, Lucas, mais il est super, Playmo. À qui on doit d'ailleurs le générique là que vous avez vu, c'est Playmo qui me l'a créé. Donc un grand merci à mon Playmo si jamais il passe par là sur le replay. Mais ouais, c'est il a eu la gentillesse de venir avec moi du coup pour battre Malenia. C'est lui qui m'a fait le build pour fighter Malenia aussi. Donc j'étais très très contente. C'était un super moment qu'on a passé. J'ai le YouTube Pro maintenant, je peux t'écouter en arrière-plan. Ah, trop bien, Chris! Mais oui, non, mais YouTube Premium, c'est la vie. Après, je suis pas payée par YouTube pour vous dire ça, mais j'ai Premium depuis, je sais pas, ça fait des années. Mais quel confort! Je pourrais pas repartir en arrière. Rien que pour le confort, comme a dit Chris, en fait, de pouvoir éteindre l'écran si vous voulez écouter quelque chose comme un podcast plutôt que de regarder, ou de pas être interrompu par les pubs. Aussi. Après, c'est cher quand même, je trouve. Remonte Jimmy, coucou Sam, coucou et chat. Je sais pas si tu as vu mon message de fin de matinée. Si, si, je l'ai vu. Mais je te demandais si tu avais réaffronté ta jumelle Malenia, car je n'ai pas là au précédent live. Et je t'ai répondu, j'ai dit non, non, absolument pas. On est en tout début de game, hein. C'est l'épisode 4 seulement. Donc Malenia sera l'épisode 14 au moins, tu vois. Donc t'inquiète pas, on en est loin. Ah, parce qu'elle aime pas les fleurs. Bah oui, bah après Ellie, effectivement, lui offrir des choses qu'elle n'aime pas, ça serait pas très cool, je comprends. Je suis en train de manger mon burger. Ah oh non! Vous allez me donner faim, j'ai pas dîné! J'ai pas dîné, putain, mais à chaque fois je fais ça et après en live, du coup, je suis morte de faim. Et vous, vous me balancez vos super repas. Et encore une fois, j'ai envie de me commander quelque chose. Et franchement, on fait toujours les mêmes trucs. La moyenne d'âge du chat est élevée et peut-être pour ça que c'est bon enfant et moins de haters dans tous les sens. Non, non, il y a des haters, Ellie, c'est juste que mes modos réagissent très vite et on les dégage. Après, la moyenne d'âge, je te dirais, sur mes lives, je pense que c'est de 35 à 50, avec quand même quelques exceptions, parce que Marine, je crois, est beaucoup plus jeune que ça. On a Axel aussi, qui est jeune, qui a 20 ans, qui vient. Donc, il y a quelques personnes un peu plus jeunes, mais en règle générale, vous êtes autour de mon âge, en tout cas. C'est autour de mon âge, quand même. Et re, mon Flo, re. Perso 27, bah voilà, tiens, Lucas, il a 27 ans. Je suis pas sûre qu'il ait des plus jeunes. Il y a plus jeunes, Lucas, après, vous êtes peut-être pas tous là en même temps. Salut, mon Tony, comment ça va? Ta coupe et tes cheveux sont magnifiques et cette couleur, bah c'est une perruque. Hein. Les cheveux sont courts. Mais c'est une très jolie perruque, absolument. C'est ma perruque, vous voyez, de Malenia, je veux dire, elle est encadrée là. Nous sommes dans l'univers de Malenia ici, mais merci beaucoup, Tony. Je suis petite joueuse ce soir, mais la barrière des 30 m'angoisse. Oh non, tu vas voir, Marine, plus on prend de l'âge, et honnêtement, je rigole à force de dire, là, vous dire, oui, j'angoisse des 40 ans, mais je vais vous dire, en vrai, à chaque année qui passe, c'est vraiment à chaque fois encore mieux parce qu'on prend tellement confiance en soi, on devient tellement, j'allais dire, unfuckable with. C'est-à-dire, pe personne ne peut se foutre de votre gueule, en fait, vous acceptez pas le bullshit des gens. Mes colliers sont emmêlés. Vous acceptez pas le bullshit des gens et ça tu l'acquiers en vieillissant et c'est pas un truc que t'acquiers quand t'es jeune puisque quand t'es jeune t'es plus dans le t'as envie de plaire t'as envie de je plaire j'entends même par ta personnalité du coup t'es un peu people pleaser ou tu sais tu oses moins dire les choses de peur de contrarier etc et je te jure que plus t'avances en âge et plus tu es 100% toi-même en fait et ça fait un tri naturel en fait des gens qui sont autour de toi entre ceux bah, qui résonnent avec ta réelle personne, ceux qui ne résonnent pas du tout et du coup qui partent. Donc au final, c'est une très très bonne chose de prendre de l'âge. Si seulement, tu vois, nos corps n'allaient pas en dépérissant. Ce serait trop cool. Interview de Miyazaki aujourd'hui sur le deuxième trailer, mais je voudrais pas spoiler. Mais tu te fous de ma gueule, Ellie? Non mais c'est un poisson d'avril ou pas?
Parce qu'on m'en a fait des poissons d'avril hier, j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié, monsieur Raphaël Farmer, s'il passe par là, j'ai pas apprécié. Mais je sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est vrai, est-ce que tu peux me mettre le lien ou est-ce que vous avez vu cette interview? J'ai pas vu ça, moi. Et je l'ai vu repartagé par personne sur Twitter, alors que je suis quasi exclusivement des pages dédiées aux Souls. Donc ça me semble bizarre de pas l'avoir vu. La fin était épique. La fin de quoi, Lucas? Ta 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 ta. Je vais faire un peu de sculpte 3D avec le live en deuxième écran. Trop cool, Flo, c'est sympa ça. Les films et séries sur les jeux vidéo, très peu pour moi. Je trouve aussi, Marine, que c'est souvent gâché, mais je suis tellement folle amoureuse d'Elden Ring que, bien évidemment, là. La question ne se posera pas. Salut, mon crédit d'amour, comment il va? Je ne fais que passer. Mais le pouce est monté en l'air. Fabuleux. Merci d'avoir mis le pouce. Mon cher Screddy, comment tu vas, mon Arsène? Plein de bisous à toi. Je te fais plein de bisous aussi. Mouah. Mon petit Arsène, j'espère que tu vas bien. Comment se porte ta chaîne? Tu sais qu'elle m'est plus du tout suggérée. Tu continues à faire des vidéos ou pas? Peut-être que c'est parce que tu produis pas de vidéos, mais j'ai plus de notifications, bizarrement. J'ai des chips, Christophe. Chips à quoi? Lay's, Brett, dis-nous tout, le parfum. Tu viens de finir de manger, Flo? Eh ben, on dit en arabe sahalik, ce qui veut dire à ta santé. Et j'ai redownload Elden Ring et les saves ne sont pas perdus. Oh, donc ça marche. Donc je peux acheter Elden Ring en démat. Parce que j'ai Elden Ring en CD et ça me gonfle de fou. Donc du coup, on peut l'acheter en démat. Ok, très bonne info, mon Screddy. Parce que pareil, en fait, même si j'ai acheté le collector d'Elden Ring, du DLC, je pense que je vais acheter le DLC en fait en démat. Donc repayer 40 euros pour l'avoir en fait à minuit pile. Parce que moi, je serai en vacances en fait la semaine de sa sortie. Donc bien évidemment qu'à minuit pile, je vais y jouer. Salut Kazuya, comment ça va? Bienvenue. J'ai en dessous de 34 mois. Et voilà Jimmy. Ça tient pas trop chaud? La bouillotte, Flo? Ou la perruque? Parce que pas du tout. Puis en plus, tu sais, je la porte que pour les lives. Donc je la porte, tu vois, pendant 3 heures ou 4 heures. Donc ça tient pas chaud. Après, je pourrais te redire ça cet été éventuellement, parce que j'en avais pas cet été. Donc je te redirai ça. Salut Pampara, bonsoir, mon âge est de 37 ans. Il y a des jeunes, hein, il y a des jeunes parmi nous. Profite de ton collagène pompe. Profite. Salut mon Fléchette, comment tu vas? 30, bientôt 31. Tu vois, il y a une team jeune quand même. Il y a une team jeune. Hein. Ton nouveau générique est bien stylé. Merci beaucoup mon Arsène. Merci. Merci, merci. Est-ce que j'ai salué tout le monde? Coucou Maletti. Maletti qui arrive. Tu rentres seulement? On est quel soir? Mardi soir? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est pas un conseil. Conseil de quoi? Dis donc, putain, tu rentres tard là. Hein. Repose-toi, hein, prends le temps, hein, il n'y a pas de souci. Hein. C'est des vidéos d'aujourd'hui, Ellie, d'accord. Bah écoute, j'ai regardé. J'ai entendu parler d'un deuxième trailer, mais j'étais pas sûre. Arrête, arrêtez, parce que là, j'ai mon cœur qui va palpiter. Me faites pas ça. Hein. Parce que, oh mon Dieu. C'est un poisson d'avril du youtubeur T trois fois. Ah, donc c'est un poisson d'avril alors, Ellie? Oh, bah non, mais si c'est un poisson d'avril. Bah non. Donc c'était un poisson d'avril, c'est pas vrai. Ah, je suis trop déçue. J'ai cru qu'on a. De toute façon, c'est sûr, on aura un deuxième trailer parce qu'ils ont dit le premier trailer du DLC. Donc, ce qui implique forcément qu'on aura un deuxième trailer à un moment donné. Donc, je sais pas quand, mais là, on est en avril. Soit il va tomber ce mois-ci, soit le mois prochain. Je doute que ce soit jusqu'à juin, mais. Oh, putain, j'ai trop hâte qu'on voit Mesmer encore plus. C'est ton live où tu la tues en 5 coups avec ton invocation. Yes, bah, il n'y a qu'un live avec Playmo où on tue Malenia. Il n'y en a qu'un. Coucou moi Adèle, je viens de voir le DLC reporté à 2026. Mais comme il est méchant, regardez ça. Regardez ça. Au lieu d'arriver et de dire bonjour, comment ça va, quoi de neuf, la famille, les amis, machin, il arrive et il dit je viens de voir que le DLC est reporté. Que quelqu'un banne Adèle de cette chaîne. Coucou David, mais je t'ai pas déjà dit bonjour? Ou c'est un autre David? Je sais plus. En même temps, choisissez des prénoms différents, les amis. Changez vos pseudos pour que moi je puisse vous reconnaître. Ouais, non, mais la chaîne doit être Shadowban. Ah, purée! C'est possible, ça. Hein. Ta 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 ta. Et la perruque? Non, non, ça tient pas chaud. Non, non, ça va. Tu es de quelle origine, Sam? Alors, mes deux parents sont algériens et moi, je suis née en France. Mais du coup, mon sang est arabe. Voilà.
Mais je me considère française parce que je suis née ici, j'ai grandi ici, c'est mon pays. J'aime la France. J'aime l'Algérie. Un petit peu. Je ne suis pas retournée depuis mes 21 ans. Je suis pas sûre d'y retourner un jour, mais ouais. Moi, enfin, je me sens bien dans mes baskets. J'ai subi, tu sais, tout ce qui était racisme et tout quand j'étais plus jeune, mais plus maintenant. Mais je pense parce que les gens sont aussi incapables de me donner une origine. Je pense qu'il y a de ça. Salut Moon, comment tu vas? Bienvenue. La totalité en démat m'a coûté 80 balles et avec Instant Gaming, ça m'est revenu à 70 euros. Attends, avec Instant Gaming, t'as pris. Tu l'as pris en PC? Tu l'as pas pris sur PS5? Parce que t'as un code avec moi hein, pour avoir le DLC moins cher avec Games Planet. Je sais pas si tu l'as vu, il est dans ma barre de description, il y a un code, vous avez 10% sur le DLC. Vous avez pas vu? Tu l'as pas vu? Après, c'est sur PC. Hein. Par contre, c'est sur PC, donc je sais pas sur quelle plateforme, mais il me semble que Instant Gaming aussi, c'est que des clés PC. Hein, si je dis pas de bêtises. Attendez, attendez, je remonte, j'ai perdu le fil du chat. J'ai perdu le fil du chat. Taratata. Tu pourras m'envoyer le PNJ transparent de toi en malignant pour faire du montage. T'inquiète pas de trucs bizarres. Je l'ai pas mon Arsène parce que c'est Plémo qui me l'a fait. Donc c'est. Je sais pas faire ce genre de choses. C'est Plémo qui l'a créé. Donc honnêtement, c'est lui qui a le. Et je lui ai pas demandé, tu vois, la Sam Malenia. Mais faudrait honnêtement, faudrait que je lui demande. Parce que c'est vrai que ça pourrait être cool, tu vois, si éventuellement je peux en refaire d'autres choses, tu vois. Sam Malenia en train de cuisiner, Sam Malenia en train de boire son coca. ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Oh, merci pour le super chat, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Coucou ma petite Claire! Oh ma petite Claire et ma petite Hello. Enfin, du coup, c'est peut-être que ma petite Claire qui est là. Comment vas-tu, ma petite Claire? J'espère que tu vas bien et que tu retrouves doucement la pêche, toi et Elodie, bien sûr, à qui je pense très fort. Et on pense aussi très très fort à Julien et Carole qui ont perdu leur petit chien d'amour, Epona, leur petite chienne qui est partie rejoindre les étoiles. Et on pense très très fort à eux et j'espère que ils se remettront rapidement, même si perdre ces animaux, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Non, pour l'instant, aucun deuxième trailer du DLC à l'horizon, je viens de vérifier. Merci Jimmy, merci d'avoir pris le temps de regarder. Coucou mon Sly, comment ça va? Letty, ne t'excuse pas, s'il te plaît. Hein. Non, non, t'es fou. T'es fou, t'es fou. Ta 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 ta. Letty, GPS est là, c'est parfait, on va pas se perdre. Wangui, tu me fais pas confiance. Et t'as bien raison. En effet, il ne faut pas. Il ne faut pas, il ne faut pas. Vanina, coucou, je mets le live en fond tout en jouant à FF7 Rebirth. Amuse-toi bien, t'es à quel chapitre, Vanina? J'ai toujours pas commencé. Hein. Il est neuf, il est téléchargé, il est sur la Play, mais toujours pas commencé. Impossible que le DLC soit retardé étant donné que les précos sont dispo. Absolument. Absolument, arrêtez de me faire peur. Merci, mon Jojo. Hello, Sam et la commu, désolé du retard, je sors de mon premier jour de stage, j'imagine, pour valider mon diplôme que je passe le 1er juillet. Wouh! Comment ça s'est passé ce premier jour? Merci DGG dans le chat, s'il vous plaît, pour notre Jojo que vous avez tous déjà mis. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé? Raconte-nous, j'espère que ça s'est bien passé. Donc, du coup, tu valides ton diplôme le 1er juillet. C'est cool. C'est très, très cool. Je suis très contente pour toi. Salut mon Jarodo, bonsoir Sam, bonsoir les autres, et en particulier à la personne qui m'a offert un troisième mois d'abonnement à la chaîne. Je me demande ce que j'ai bien pu faire pour mériter tant de générosité. Bah en fait, tu sais, Jarodo s'est donné, quand des copains en fait ont la générosité d'offrir des abonnements sur la chaîne, c'est offert en priorité aux personnes qui viennent le plus souvent sur la chaîne. Donc tu fais quand même partie des gens fidèles qui viennent très régulièrement. T'es quasi là, j'ai envie de dire presque à chaque live, hein, mon Jarodo. Donc du coup, en conséquence, en fait, quand quelqu'un offre du coup un abonnement, et bah, tu fais partie des personnes sélectionnées en priorité. Et GG du coup d'avoir reçu un abo. Je crois que c'était Myrthe et Fournaise qui ont offert pas mal d'abonnements au dernier live. Donc c'est un des deux, je pense, qui a dû t'offrir le tien. Mon petit Rémi, je t'ai déjà dit bonjour. Est-ce que je vous ai tous salués? Ce me semble. Ta 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 ta. Ça va pas fort, donc je viens me divertir, ma petite Kai. Je te fais un énorme bisou et un énorme câlin virtuel. Et pas de soucis, on va se divertir parce que je pense que tu vas me voir mourir pas mal ce soir vu qu'on va aller taper du boss.
Et on va penser à autre chose. On va penser à autre chose. Chapitre 9, je m'amuse tellement. Oh, c'est cool, je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Ouais, gros soutien à eux. Vraiment, Carole et Julien, on pense très très fort à eux. Ça, c'était une épreuve vraiment. Le DLC ne va pas être repoussé, il va être annulé. Mais putain, que quelqu'un banne Élite fétichiste de notre chaîne, s'il vous plaît. Les gens négatifs, là, dégagez. Coucou mon Greg! Comment tu vas, mon petit Greg l'impitoyable? J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu le 1er avril, d'accord. Okidoki. Eh bien, écoutez, je crois, je suis à jour, c'est fabuleux. Oui, Fournaise, aussi bien ici que sur l'élève de Julien Chiez, si je ne me trompe pas. Et tu l'as offert aussi là-bas? Il est très généreux en tout cas. Je crois qu'avec le nouveau look de mon perso, je vais inspirer la peur au Colisée. Ou me faire focus. D'accord. Je vous ai déjà raconté la fin d'Elden Ring. Oula, vas-y, Claire, vas-y, raconte-nous. Tu veux nous raconter la fin d'Elden Ring? Go ahead. Go ahead, darling. Dis-nous tout. Allez, on se lance. J'avais hâte de jouer. Puis à chaque fois, je joue avec mon autre perso. Donc il faut que je me rappelle de ce. Faut que je me rappelle de ce perso-là. Et de son build. Ah mais oui, on était rentré à l'académie. Mais attends, on est complètement des gueudins parce que honnêtement, elle est chaude l'académie là. Je suis quel niveau moi? Pour me sentir pousser des ailes et être déjà là. Niveau 47. Écoutez, je pense qu'on traverse l'académie. On va remonter, je vais vous montrer sur la carte. J'adore faire Miss Météo Elden Ring. Alors, après avoir fait le tour. Après avoir fait le tour du coup de l'académie que vous voyez juste là, nous remonterons en direction du nord en suivant ce petit, je sais pas comment ça s'appelle, cette petite rivière, ce petit tronçon là, jusqu'à arriver à la galerie qui se trouve ici afin de nous permettre de pouvoir monter au plateau d'Altus. Mais ce me semble un dragon Dogma va nous bloquer le passage, me trompe-je, mais je crois que c'est le cas. Donc du coup ce qu'on va faire, on va juste donc faire l'académie sans tuer Rennala, on va juste au bout de l'académie. On ouvre cette partie-là et ensuite on redescend au château de Voilorage qui nous attend juste ici. Nous irons taper Godric. Bon, maintenant il va falloir beaucoup de force hein, pour que le gogo y tombe. Mais il n'y a pas de raison. Si je l'ai déjà tué 13 fois. Non, 12 fois. 12 fois. Pourquoi pas 13? Ah, par contre là j'ai plus de fiole. Je suis en mode sans fiole. On est des sans fiole là. Ok. Alors le son est un peu fort chez moi. Je vais le baisser pour pas que ça vous fasse un écho. Est-ce que c'est bon chez vous? En termes de volume, tant de ma voix que du jeu. Est-ce que vous avez un bon ratio? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez mis le pouce? Toutes les questions essentielles qu'on se pose quand on commence un live. Là c'est tout. Ok, on remonte. On était sur les toits de l'académie du coup. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'elle dit comme bêtise cette Elvie? Ça m'a encore dit un dragon dogma. Mais t'es pas sérieux, Jimmy? Un dragon du magma. J'ai dit ça? Je te jure, je me suis pas rendu compte. Un dragon dogma. On va le garder, hein. Par contre, là, franchement, il me reste qu'une demi-fille et puis pas de fiole. Je sais pas vous, mais moi, je le sens pas. Je me sens pas sereine, hein. Je me sens pas sereine, sereine. Je suis déjà passée par là? Me trompe, hein. Parce qu'on dirait que j'ai déjà pris ce qu'il y avait à prendre, donc il fallait que je saute en face, non? Il fallait que je saute en face. Je pense que je vais mourir parce que ce qui est chiant ici, c'est que vous savez, les personnages trop chiants là qui ont des. Qui tirent, mais plein de dagues. Plein de petites dagues qui ont des bras en espèce de couteau. Vous voyez de qui je parle? Est-ce que vous voyez. Voilà. Attendez, attendez, je crois qu'il y en aurait un là. Ah, il y en a un là-bas. Vous voyez, eux là? Je les aime pas, je pense qu'il va me tuer ce con juste à cause de ces trucs. Ah, mais attendez! Putain, attendez, attendez. On peut fronder les gens, n'oublions pas qu'on a de la magie. C'est vrai que c'est pratique la magie pour attaquer à distance. J'oublie toujours qu'on a un build de magie, un build complètement fait par Playmo, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne si jamais ça vous dit de tenter un nouveau build. Il a fait deux vidéos qui sont super, une avec le croc du lumière. Une avec le croc du limier et une avec cette lame. D'ailleurs, comment s'appelle-t-elle, cette lame? Quelqu'un le sait? L'éclipse lunaire.
et avec l'éclipse lunaire. Donc moi je découvre, hein. Là c'est un tout nouveau build pour moi, j'ai jamais fait ça, donc c'est sympa, entendre quelque chose de nouveau. Oh putain, il y a un garde de fou là en bas. Il y a un garde de fou. Ça va être chaud de le passer sans fiole. Hein. Ou alors à la fronde. Genre en s'enfuyant de ouf, mais... Ça peut être compliqué. Enfin déjà, si je ne chute pas, et vu qu'Adèle est là dans le chat, Adèle n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir chuter. Clé de pierre, l'éclat de l'académie. On va pouvoir la donner à Mister... Ah mais non, mais il y a déjà les deux cons là qui vont me tuer. Attendez. Attendez, il y a des magiciens qui tournent ici. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Faut que je fronde les gens. Qu'est-ce qu'on a comme ça? On a que ça. Oh putain, il s'est pris dans la tête. C'était beau. Mais non, mais... Ah, elle est sauvée par le... Putain, il m'a fait tellement peur. On vient de perdre 24 165 runes. C'est très très grave. On va aller découvrir ce soir. Le son du jeu est fort ou c'est moi? Ah, est-ce que le son du jeu est trop fort? Dites-moi. Dites-moi. Si tu montes un peu ta vie, tu peux aller tuer Rinala. On n'en est pas là, Sly, on ira après. C'est un peu trop compliqué, là. Parce que sa P2, elle est chaude, hein. Sa P2, elle est chaude. Nickel, les questions, alors, cette Alone in the Dark, Sam, tu l'as fini? Non, Flo, parce que je veux le faire avec ma sœur. C'est un délire, en fait, de faire notre jeu d'enfance ensemble, sauf que, bah, le problème, c'est qu'on n'a jamais le même planning. Et qu'on se retrouve jamais en même temps, donc ça m'embête, sinon je vais le faire toute seule, mais toute seule ça m'intéresse pas non plus, sinon j'aurais fait en live, tu vois. Faut que j'aille récupérer mon argent, où est-il? Doko Deska, on va passer par là. What the fuck, qu'est-ce que vous dites le crossover entre Lies of P et Elden Ring? Vous dites des choses comme ça. À la fin de Lies of P, Pi essaie de contacter le chirurgien plastique de Gotrick pour tenter la grève de bras tête de dragon d'ailleurs. Mais voyons, coucou mon Big Boss, comment tu vas? Bienvenue. Alors t'en as pensé quoi? Et ce jeu m'a saoulé. Et bah Skriddy Kruga, pareil, il a détesté. Il l'a streamé sur Twitch, il a pas du tout aimé l'expérience de Rise of the Ronin. Comme quoi j'ai bien fait de pas l'acheter. Coucou Mister Steven, comment vas-tu? Coucou Floris. Première mort du live, je vais les compter. Oh putain, j'espère que t'as une grande feuille de papier. Bah oui, parce que c'était le jeu de notre enfance, Flo. Mais le problème, c'est qu'au final, en fait, on n'est jamais ensemble. Coucou Raphaël, comment ça va? J'espère que tu vas bien. C'est ça qui est... ça qui est yonche. Ne me tapez pas. Laissez-moi vous tuer. Laissez-moi vous tuer. Voilà. Bien joué. Alors, il a quand même réussi à me taper. C'est un mauvais départ, là. Non, mais on n'avait pas encore ouvert cette porte. Non, the fuck, c'était par où le chemin, putain. Letty, où es-tu? C'est Nioh 2 en open world, non? Ah bah, c'est ce que, a priori, ce que les gens semblent dire. En plus, ils en balancent deux d'un coup, c'est... cette attaque de pierre d'éclat, je sais pas où est-ce qu'on la récupère, mais je dirais auprès de Sélène quand on la trouve là avec les roses, je sais pas où, mais je pense que c'est elle qui doit les vendre. Putain, il va falloir qu'on retraverse toute la zone. Force à nous. Oui, je vais très bien, je suis contente qu'on stream ce soir. Bon, on finira pas à 1h30 du matin, je l'annonce direct, parce que je travaille. C'était dur, franchement, après un week-end de long, après un week-end magique de 3 jours. Je trouve que la vie, ça devrait toujours être comme ça, on devrait bosser. Enfin, on devrait vraiment, je trouve, avoir des week-ends de 3 jours tout le temps. Fallait monter quand même? Je sais plus. On va essayer. Ça va bien, j'interromps Dragon Dogma pour venir te voir en entreterre. C'est adorable, Raphaël, merci. Tu sais qu'à chaque fois maintenant que je parle des dragons du magma, je dis Dragon Dogma. Donc, quelque part, tu t'y retrouveras. Tales of Kenzera, nanana... Ok, aucun ne m'intéresse, Gerardo. En même temps, honnêtement, tous les jeux du PS Plus ne m'intéressent pas, en règle générale. En ce moment, ces derniers temps, je suis pas... J'ai pas téléchargé de jeux PS Plus depuis, mais... What Milan. Oh,
écouter la suite. J'ai sauté avec beaucoup de conviction, mais voilà. Voilà. Oh, non. Mon argent. Mon argent. Où es-tu, mon argent? Oh non, je suis dégoûtée. Salut, mon geek d'av. T'adorais Rise? RS? Bah, comme quoi. Écoute, il en faut pour tous les goûts. Hein. Comme on dit. Oh, je suis dégoûtée, putain. En plus, je suis sûre que je pouvais prendre un niveau au moins. Oui, 13 000. J'aurais pu prendre deux niveaux. Je suis dégoûtée. Je vais essayer de pas pleurer. D'autant que j'ai mis un mascara qui n'est pas waterproof sur les cils du bas. Donc, pas de pleurs ce soir. Donc, oui, normalement, j'ai pas le même mascara cils du haut et cils du bas. Et là, j'ai fait la même fois. J'ai mis le mascara du cils du haut sur le cils du bas. Mais putain, il est en train de loquer en bas, ce connard. Il voulait pas déloquer. Reloc ! Il voulait pas me reloquer le bon. Non mais... Je vous jure que là, on est le 2 avril. Je suis bientôt en période d'ovulation. C'est vraiment pas le moment de... Monsieur, je vous jure. Arrêtez, c'est pas le moment. Ne faites pas ça. Ça, j'en sais pas, j'ai perdu. J'ai bien sauté dans son truc en plus. Moi, je dis que c'est un mauvais départ. Ça vous arrive? Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que c'est un mauvais départ? Quand tu te prends trop de coups comme ça, par la vie, à peine commencé. Oh mon dieu, ce que vous avez vu, l'histoire horrible, j'arrive pas à m'en remettre. J'ai vu ça sur TikTok. Bon, par contre, c'est vraiment horrible. Hein. Salut le grand maître Baal. Mais Baal, c'est pas un autre nom de Satan, ça? J'espère que tu nous fais pas de vaudou, hein? Hein? Tu nous fais rien de méchant, hein? Mais bienvenue à toi sur la chaîne. Eh ben, non, je vais pas vous le raconter, c'est tellement triste, c'est horrible, c'est un fait divers absolument horrible. Oh, coucou ma petite Hello! J'ai vu Hello passer, coucou, comment ça va? Et de deux. On va se détendre, les amis, sur le comptage du nombre de morts. Merci beaucoup. Merci. La chute et la ruine des runes. Oui, ça va, Adèle. Ça va. Ça va. Je vais attaquer Dragon Dogma 2 demain. Quelqu'un sait si le jeu est très long, environ combien d'heures? Ce me semble que Exo, il avait déjà fait 25-30 heures et il était pas près de la fin, il me semble. Donc c'est un jeu long quand même. Ça y est, je vais m'énerver. Ils vont réussir à m'énerver. Moi qui étais toute contente de faire ce live. Ah, super, je suis ravie. Merci beaucoup pour les 1000. C'est par là le chemin. Le chemin officiel. Voilà. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec l'éclipse lunaire. Hein. Franchement, le moveset est tellement différent de ce à quoi j'ai l'habitude. Je suis vraiment pas dans ma zone de confort avec ce build. Hein. Mais c'est bien, après, faut tenter. Mais il n'y avait pas un objet ici que j'avais déjà récupéré. Bien sûr, la puissance du grid. Hein. Oh the fuck, il m'a fait trop peur. Oh, j'ai vu un petit rat là-bas. T'as mis du... C'est du produit anti-mouche qui est en train de mourir. Qui est d'ailleurs horrible aussi. Alors. Dokodeska, où est la suite du chemin? Hop. Je fais genre de savoir où je vais. Hein. J'en ai aucune idée, mais si, c'est par là. Alors. C'est par là qu'on est allé, on s'est fait attaquer par de petits cons qui sont en haut perché. Ah, attends, puis-je peut-être les fronder? Oh, on se fronde des fronding en fait. Hein. Oh, les deux en plus, double mort. That was good. Là, il n'y avait rien. Non, c'est là où on est rentré. Et c'est là où je suis morte. Et c'est là où il y a les cons en bas. Ok. It's me, Mario. Let's go. On essaie de rester concentré, ce qui veut dire ne dites pas de bêtises en chat, parce que dès que je vais vous lire, je vais rigoler. Hey, coucou, mon Plémo! Comment ça va? Je suis déjà... Non! Non! Pourquoi?
putain! Est-ce que... Eh non mais... Est-ce sérieux, je suis bénie des dieux ou pas? Bon, je suis moi. J'ai été bénie quand même. On est d'accord. On est d'accord, c'était ouf ce rattrapage. C'était... Non mais c'était ouf. Hein. Attention, Sam, derrière toi, Coco Moixu! Est-ce que t'as vu ce que je viens de faire? Est-ce que je suis pas la meilleure joueuse de Souls que tu n'aies jamais vu de ta vie? Sois honnête. T'as le droit de dire oui. Non mais c'était incroyable. Bordel de merde. Et j'en peux plus de moi-même. C'est le début du live. On a déjà plus de tuiles et il y a un mec super dur hein, à tuer là. On va vraiment essayer de jouer la fronde. On va jouer la magie. Attendez, on va jouer... À pas... Vous croyez qu'il faut quelle distance pour aller à la fronde? Ça touche. On s'arrête pas dans le jeu. Tu es très sincèrement la meilleure joueuse de Elden Ring que j'ai vue à... Tu sais quoi? Je vais effacer la fin de ton message et je vais le publier sur Instagram et Twitter. En mettant que j'ai vu. Point. Il y a bien quelqu'un qui est doué avec, avec Photoshop pour m'enlever ça. T'as joué au loto, Sam? Non, mais David, je devrais. Je devrais. Échelle et raccourci, je sais pas si tu l'as pris. Letty, c'est maintenant que tu me dis qu'il y a un raccourci, en fait. C'est pas possible. Salut, Fred. Mais attendez, mais... Bon, bah, on doit recommencer. Merci pour cette chute incre. Merci, Plémo, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. One, two, three, viva Yeshani. Alors déjà, si je meurs là... Ça présage du bon pour Godric tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai à dire. Le château, rien que le château en lui-même. Rappelez-vous, dans ce château, vous vous souvenez? Des aigles qui ont des griffes. Vous vous rappelez de ça? Parce que moi, j'en ai un souvenir très vif. Très vif. Yes! Ouh! Ouh, ça commence bien. Ouh! On est sur une bonne run. Attendez. Je crois que c'est Exu qui est en chance. J'ai envie de dire Plémo aussi, mais Plémo il nous a déjà porté la poisse une fois, du coup je sais pas trop si c'est lui qui nous porte chance ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dis Exor pour le moment, et on verra, et on verra. Alors, touc. Ça m'empêche de continuer ta vidéo. Moi j'empêche personne de rien. Il faut aller voir la dernière vidéo d'Exu, bien évidemment, qui a découvert un nouveau jeu de détective je ne sais plus quoi. J'ai regardé le début, mais je me la ferai demain en travaillant. Et c'est un beau fail, ça, c'est un fail. On aime les fails comme ça. Mais j'aime bien être la première à aller poser mon commentaire sur la chaîne d'Exu. Je suis un bot. Je veux son arbalète et lui avec ses carreaux. L'arbalète de qui? L'arbalète de qui? Salut Jay! Salut, nouveau sur ta chaîne, bon live! Jay Statham... Oh, t'as pas peur, parce qu'il y a des femmes ici, peut-être aussi des hommes, qui sont fans de Monsieur Statham. Donc moi je te dis juste, sois prudent. Tu risques rien avec moi, parce que moi, c'est les cheveux, ça fait tout. Les cheveux d'un homme sont le bien le plus précieux qu'il puisse avoir, à mes yeux. Bon, ça est quelques millions. Ah mon dieu, je sais qu'un jour, quand ma chaîne sera grande, quand elle aura vraiment grandi, quelqu'un reviendra sur ses anciennes vidéos et viendra faire des coupures sur ce genre de choses que je dis et que je vais me prendre une rafale de haine sur internet. Mais bon, comme il faudra 10 ans pour que la chaîne soit grande, on a le temps de voir venir. D'ici là, j'aurai 50 ans et je pense que j'en aurai plus rien à foutre. Est-ce que je serai encore sur YouTube à 50 ans déjà? Est-ce que vous voyez votre avenir sur... Je rêve où quelqu'un vient de se suicider à côté de nous. Oh, il s'est mis à pleuvoir. Est-ce que à 50 ans, vous voyez sur YouTube les créateurs de contenu? Il est parti, le Exu? Il a posé son bonjour et il est parti? En fait, il fait comme moi, tu sais, je pose le commentaire et je reviens plus tard. Il est parti. Exu! Exu! Ah non, il est là. Non, je bosse à côté. Ah!
Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as le droit de me dire sur quoi tu travailles? Ou pas? Est-ce que tu as le droit de nous le dire ou pas? Parce qu'on est curieux, d'accord? C'est moi seulement qui suis curieuse. Super. Quelle fait. Voilà. Ok, on y retourne. On se sent capable, on se sent prêt. Putain, mais cette chatte, est sérieux? Je vous jure, je vais jouer au loto. À qui ça arrive ce genre de truc? C'est quand même. C'était beau. Faut se l'avouer. C'était magnifique. Mais tu fous ma gueule qui a bouché. Par contre, moi. Non, mais. Mais je déteste cette salle. Vous avez vu l'épée qu'il a sortie? Mais crève, charognard! Vite, vite, avant que l'autre me touche. Mais non! Calme pas, putain! Oh, ça me stresse. Oh, ça me stresse tellement. 100 millions d'abonnés, des vidéos à 50 millions de vues à 50 ans, Sam. Écoute, ça serait beau. Parce que je continuerai juste à streamer Elden Ring. J'ai une présentation PowerPoint à faire. Oh, oh, d'accord. D'accord. Ça serait beau quand même. Mais t'imagines, je serais sur Elden Ring 2. Elden Ring 3, peut-être. 2, je pense. Par contre, ouais, ce F2... Non mais dites-moi que depuis tout à l'heure, je combats à l'arme à une main. Mais tu m'étonnes. C'est dans Valor, c'est ça, avant qu'il balance sur la tête de feu, là. Non. Non mais... Il en a fait une double. Je vais aller le taper à la... Je vais taper à l'épée. Je vous dis, c'est pas pour moi le build magie, j'arrive pas. J'arrive pas à tuer comme ça, c'est pas possible. On ne se moque pas des handicapés capillaires, c'est pas notre faute. Jérémy, handicapé capillaire. J'aurais pas pensé à utiliser ce terme. J'aurais vraiment pas pensé à utiliser ce terme. Attendez juste un instant. Donc, j'aurais vraiment pas employé ce terme, mais quelque part c'est un handicap dans la vie. Non, vraiment, est-ce que vous voyez la différence entre. C'est horrible ce que je vais dire. Entre quand vous aviez des cheveux. Et maintenant. Déficient capillaire. Non, mais moi j'ai vu quand même des vidéos de mecs qui se faisaient poser des postiches d'un réalisme incroyable. Hein, avec. Vous savez, avec... mais franchement, allez voir vos mères, là, vous m'énervez, mais de ouf. Où ils leur mettent, en fait, une colle ultra forte sur la tête et ils leur collent, en fait, un postiche. Mais je vous jure, ils passent de mec du commun à canon. C'est ouf. Alors, peut-être parce que moi, j'ai une sensibilité aux cheveux. Hein. Après, ceux qui préfèrent les chauves diront pas ça. Mais c'est incroyable, en fait. Et eux, comme ils se sentaient mieux dans leur peau... D'un coup, en fait, ils se sentaient, ouais, redevenus eux-mêmes, en fait, comme à leurs 25 ans avant la perte des cheveux, quoi. Coucou mon Viking, comment ça va? Bienvenue. Vive la Turquie. Et c'est un très beau pays, la Turquie. La Turquie est un très beau pays, et mon Dieu, qu'est-ce qu'on y mange bien. Oh, salut Vegas, comment ça va? Qu'est-ce qu'on y mange bien en Turquie? Ce n'est... Alors vraiment, je comprends pas pourquoi en France on a autant de kebabs, alors que leur cuisine est tellement riche. Mais je suis à une main ou je suis à deux mains, là? Mais je suis à une main. Et aucun d'entre vous ne me l'aurait dit dans le chat. C'est ça le pire. C'est que vous me laissez crever, quoi. Où est le sens de l'amitié? Inexistant. Inexistant, messieurs, dames. Incroyable. Incroyable. Je vais boire un peu d'eau. J'ai une soif. En vrai, j'ai envie de coca, mais j'essaie de me forcer à boire de l'eau. Mais quand t'as envie d'une boisson, en fait, l'eau, ça te rassasie pas. C'est pas le terme qu'il faut employer pour l'eau, rassasier. Mais ça te rassasie pas. Vous rendez compte que j'ai fait chier mes mots, il est parti. Vous rendez-vous compte, il est parti. Parce que je lui ai dit qu'il me portait pas chance. Alors que le mec a quand même fait le générique de ma chaîne. Que c'est un amour. En plus de ça, et je l'ai fait fuir. Voilà.
L'histoire de ma vie, je fais fuir les hommes. Est-ce qu'on peut le taper dedans? It's good. Mais non, mais non. Je veux dire, on va pas faire un fail là quand même. Alors, au bout de la 100e fois, allons-nous réussir à passer ce boss? Je me fais calomnier, wesh. Mais non, c'est dit avec beaucoup d'amour. Sache-le. C'est pas de la calomnie du tout. Du tout. Putain, mais ça va pas non de faire ça à des gens âgés? Les gens s'en foutent. Je vais descendre, mais je veux tuer l'autre en sautant. Parce que j'ai pas envie de mourir pour rien. Mais non, ici on t'adore, tu sais bien. Tu sais bien. Et moi, et tous les gens qui regardent. Mais oui, c'est de la diffamation. Et comme vous avez la preuve en vidéo, ils pourraient porter plainte. Merde. Merde, c'est con. Monsieur, est-ce que vous pourriez accélérer, s'il vous plaît? On voit bien que vous êtes... Non, mais il s'est arrêté, ce gros con. Oh! Voilà. Alors, sautons dans un trou. Voilà quelque chose que je ne dis pas souvent. Si, si, faut assumer, on est vieux maintenant, Flo. Ça y est, c'est... On a passé notre temps, c'est tout. On laisse la place aux jeunes, tu vois. À eux de briller, maintenant. Ça sent la mort si j'essaie de là? Ouais, non. Ça sentait trop la mort. J'aimerais bien... Est-ce que je peux pas tuer les magiciens? Les magiciens d'en haut avec la magie en vrai. Est-ce que je peux pas les atteindre, ces gros cons, avec la fronde? Attends, parce qu'il faut pas que lui m'atteigne. C'est-à-dire que si lui m'atteint pas, je peux pas l'atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la logique? Je pense que la fronde, elle va... Ah, si! Il faut que j'aille voir ce que tu as envoyé. Mais en vrai, depuis que je suis arrivée, tu fais que crever. Non, t'inquiète, c'est vraiment parce que j'ai du mal en fait avec ce nouveau build. Il faut que je m'habitue. Est-ce que de là, vous croyez... Ouah, ça passera pas. Donc, il y en a une des trois pierres qui passe. Oh oui, viens sur le pont. Viens sur le pont. C'est con, il me faut vraiment le truc pierre d'éclat. Hein, vous dis-je. Voilà, déjà plus qu'un à deux, trois, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ok. Tout est une question de technique dans la vie. Voilà. En plus, on a récupéré une robe, c'est beau ça. C'est beau. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de s'améliorer? Est-ce qu'au bout de 25 fails, je ne deviendrai pas une bonne joueuse? Peut-être. Peut-être, c'est comme ça qu'on apprend. Mon Viking, je teste le build comme toi, mais pas simple à prendre en main. Du coup, je teste un genre de build à Exerve avec le gourdin hérissé, affinité glace et saignement et la cendre de guerre, lame rocheuse. Ah, bah la Morgenstern, t'as pris. Bah tu me diras ce que t'en penses, je vais l'essayer aussi sur ma 14e run, je ferai ce build-là du coup. J'ai envie d'essayer. Sam est téméraire, elle marche sur les poutres avec un pied dans le vide. C'est la confiance. Les builds d'intelligence, tout est dans le titre. Il a pas osé dire ça. Il m'a... Non mais... Excusez-moi monsieur. Mais... Que quelqu'un banne Playmo de cette chaîne. Quel manque de respect. C'est pas possible. Est-ce que j'ai des fioles de... Yes. Je n'ose pas du coup... Je sais pas ce qu'il y a dans ma fiole de salut miraculeux. Je peux pas le voir de là. Hein. J'ose pas lui foncer dessus parce que je me dis si jamais... Tu sais quoi, je vais la prendre quand même. Au point où on en est, on n'a pas... Prends ton arme à deux mains, Jean-Edouard. J'ai appelé Jean-Edouard Mesmeralda quand même. Bravo, Playmo. Non, non, mais rigole, rigole. Rira bien qui rira le dernier. On va aller se faire un corps à corps. Wouh! Mais quel chien de la... Me recharger la vie à fond. Pourquoi je ne l'ai pas fait, en vrai? On dit que la vérité fâche. Que quelqu'un dégage également Flo de cette chaîne. Faites un train. Flo, Playmo. T'as fait combien de fois le jeu? Pour ma part, je l'ai fini 5 fois. Je l'ai fini... Alors, je l'ai fini 12... Non, je l'ai fini 11 fois. Et j'ai 2 runs en cours. Mais la 12e run,
J'en suis à la cime des géants et j'ai tué tout le monde sur mon passage, donc il me reste quasi rien à faire. Mon Yuchi, rien de spécial à dire. Du coup, les roues vaincront. Merci pour ton super chat de fidélité de 6 mois. 6 mois, tu te rends compte? On en est presque à un accouchement, mon Yuchi, entre nous. On a presque fait un bébé Elden Ring. C'est pas bon ça. Pas... Vous savez quoi? Je peux peut-être esquiver les gens. Merci pour ta fidélité, mon Yuchi, en tout cas. Est-ce que je ferais pas une run à la Sam? Qui effectivement ne fait pas preuve d'intelligence, hein, n'est-ce pas, Plémo? Mais qui esquive tout le monde. Est-ce qu'on ferait pas ça, en fait, tout bêtement? Est-ce que ce serait pas la solution? Après, faut pas se planter sur la route. Merde, ils vont me shooter dans la... sur l'échelle, non? Je suis sûre qu'ils vont me shooter à l'échelle. Voilà. Voilà. Bois une potion. Bois une potion! Putain, mais c'était cool. Merci, mon Xou! Merci d'être passé. Des gros gros bisous. Passe une très bonne soirée. Enfin, bon courage pour le travail, surtout. Bye bye! Voilà, 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 c'est de fail en fail ce soir, il est 20h59, je propose qu'on arrête le live à 21h30, et comme ça, j'ai bien fait de venir, et comme ça, je me mets sous la couette à pleurer face à toutes ces nombreuses défaites. Non mais, je suis en train de rouler, je sais pas, respectez au moins la roulade, si vous ne respectez rien d'autre dans ce jeu, respectons The Rouladesse. Non mais... tuer les deux là sur le chemin du coup. Le plus long montage d'échelle. Toi Adèle là t'en as pour ton argent, t'es pas venu pour rien ce soir. Non mais vous avez vu l'autre qui m'a tiré dessus à distance comme ça. Non. Why am tired of you. Voilà. Par contre ça me fait chier d'avoir perdu encore mes runes quoi. Ça fait deux fois maintenant, deux fois. Après Neve Campbell dans la vie à 5, Samy et Shani dans la mort fois 5. Eh, vous êtes impitoyable ce soir. J'espère qu'au moins vous avez mis le pouce pour rattraper vos méchancetés. Hein, parce que c'est méchant. C'est très méchant. C'était hier le 1er avril, Sam. Oh, bordel! J'ai vraiment coupé le live, hein. C'est quoi ces gens méchants avec qui je traîne, moi? Quand je pourrais être là à faire des câlins avec mes chats. Dans mon canapé en pyjama. Bravo, hein. Merci. Je reconnais l'amitié, c'est beau. Hein. Très beau. C'est des valeurs que vous tenez à cœur, hein, de toute évidence. C'est... On peut sauter là en face? Non, ça sent la mort. Hein. Non, ça sent la mort. On va y sauter dessus à lui. Ah, c'est ça. Quand même, au moins ça. Au moins ça. Oh putain. Reste calme, Sam. Il va falloir qu'on se retape les autres encore. J'espère que lui rentre pas dans l'église. Est-ce une église, cela dit? J'appelle ça une église, mais... Est-ce une église, ce lieu? Alors. Qui dois-je fronder? Je suis à deux doigts de passer derrière, aller récupérer l'objet en fait qu'il y a et de repartir. Moi j'ai mis le pouce, merci mon Plémo, merci beaucoup. Il faut le mettre où le pouce? Sous la vidéo Frédéric, j'espère que ceci n'était pas une incitation à dire des bêtises assez swell parce que ceci n'est pas toléré sur cette chaîne. Alors attends, lâche. Où est le number 2? Non mais te lâche pas, Jean-Edouard, reviens. Marculage. Marculage à quoi? Merci ma modette. Ah, il y a quand même toi pour me soutenir dans ce monde de brutes. C'est les jeunes qui sont méchants, les gens âgés sont gentils avec toi. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre là, j'ai l'impression que tout le monde est méchant. Sauf Maud. Pour le moment. Parce que même Yuchi, mon modo, il m'a trahi. Donc regardez-le comment il est flippé de moi. Bon, on va aller le taper, je pense. Parce qu'il va pas venir.
puis là, là il vient en cours en fait. L'autre il vient. Ouais, l'autre il arrive, je crois. Cache-cache. Ok, bon. On y retourne. On peut l'avoir, on est d'accord, on est capable. J'imagine Sam ouvrir une banque une heure après la banque a déposé le bilan. La banque Yeshani. Est-ce que tu voudrais avoir ton compte à la banque Yeshani? Par contre, le build Creux de Limier, c'est un régal à jouer. Oui, moi aussi, il me correspond plus. Je roule sur le jeu avec le build de Playmo Creux de Limier. Là, je galère davantage, mais en même temps, c'est ça qui est drôle aussi, parce que bon, si je fais que des builds sur lesquels je me débrouille bien, c'est pas... Ah, mais il y a le L2R2, vous croyez que j'y ai pensé? Et aucun d'entre vous ne me l'a dit en plus. Mais il est mort, c'est bon. GG à moi-même. Bâton d'éclat d'azur. Ah, est-ce qu'on peut déjà se l'équiper ou pas? Un bon bâton. Non, bien sûr que non, ça aurait été trop drôle. Ils demandent 52 d'intelligence? Mais ils sont pas... 52, j'ai bien lu. Ouais, 52. J'hallucine. Celui-là est déjà mieux hein, que notre bâton, non? 39. Mais on s'en fout en même temps de l'attaque physique. Faut regarder quoi? Playmo, faut regarder quoi pour savoir si c'est bien? Non, est-ce qu'elle sait en intelligence? Et celui-là, est-ce qu'elle... S? Je dis ça, c'est comme si j'étais sûre de moi, mais... En vrai, non. En vrai, non. Débloque l'échelle au pire. Mais elle est où, votre échelle? Où est-ce que vous avez vu une échelle? Merci de me prévenir quand il y a des raccourcis. Parce que tout à l'heure, Letty, très gentiment, elle a dit... Il y a un raccourci! Tu l'as pas pris? Merci, Letty, de me dire où est le raccourci. Hein. Parce que si tu me le dis pas... Tu veux que je sache comment? Moi, j'ai pas un sens de l'orientation. Ça m'attire-le. Je les attire tous, mon Viking. Alors, voyons voir. Voyons voir. Alors... Il n'y a pas une sortie qui nous mène à... C'est peut-être de l'autre côté. On the other side. Là, en face. Yes. Mais il n'y a pas encore un magicien, là? Dehors, parce que de mémoire, on n'est pas tout seul. Si? Si, on dirait. On va écouter. Là, on va récupérer notre petit masque. L'autre, c'est la première fois que je me fais taper par un mini crabe. Mini crack. J'ai vu ça. Alors, où est votre truc? Oui, soutenons les seniors. C'est ma soirée. J'ai mis le pouce car il est important de soutenir les créateurs de contenu plus âgés. C'était bien parti, Elodie, et puis c'est parti en cacahuète. Pourquoi vous êtes tous méchants ce soir? Pourquoi vous m'avez pris en cible? Ce jeu est magnifique, mais je suis beaucoup trop nulle pour avancer dessus. Avec un bon build, Vanilla, tu peux, hein. Depuis que je sais que chez France Travail, on est considéré senior à 45 ans, je croque mes deux dernières années de jeunesse à pleines dents, que j'ai encore. Mais tu te fous de moi? 45 ans, on n'est pas un employé senior, ça va pas, non? Et des chèques cadeaux pour les piles de sonotone. Ton bateau est bien pour le moment, et en plus, il renforce les magies gravitationnelles. Au top. Mais j'arrête pas, tu es passé devant. Ah bon? Ah bon, je suis passé devant? Ah, toi, trop tard, Greg, du coup, tu fais partie des vieux. Le bâton que tu as est rang S, c'est suffisant actuellement. D'accord. D'accord, d'accord. C'est pour ça que j'ai pris YouTube Premium. J'ai pas envie d'avoir des pubs pour Norwich Union. Les montes escaliers Stana quand je regarde les vidéos de ça. Mais non, mais elle devrait, Greg. C'est son travail de modérateur GPS. Elle a une mission, et sa mission consiste à nous dire quand il y a effectivement un raccourci. Alors par contre, du coup, Letty, c'est foutu, parce que tu es en train de me dire que le raccourci était en haut, c'est ça? En même temps, pourquoi vous voulez un raccourci ici? Ça sert à rien. On n'a pas besoin de raccourci, parce qu'on revient jamais ici. Là, si je saute, je meurs? On dirait pas, hein. Qui parie que c'est une chute mortelle? Moi, je dis que c'est pas une chute mortelle. Je fais confiance à mon instinct. En même temps, j'ai peu de runes à perdre. Voilà, yay, yay. Toujours faire confiance à son instinct.
Alors, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a fait ce joli détour pour rien, pour avoir perdu toutes nos runes de passage et récupérer un bâton qu'en plus on n'utilisera pas. Super, une réplique de grâce, le truc que j'utilise jamais non plus. Scusi, où est le chemin? Restez sous terre, là, les non-morts. Franchement, pourquoi vous sortez? On vous a pas appelé, en fait. Restez à dormir tranquillou. Prenez pas la tête. Donc, je refais tour, là. Non, il y a une échelle, mais tu... Clément, je sais pas... Enfin, il y a une échelle. Est-ce que tu crois que me dire... Il y a... J'ai failli me faire prendre. Est-ce que tu crois que me dire il y a une échelle, est-ce que ça te semble être une information suffisante pour quelqu'un de mon niveau? De toute évidence, non. De toute évidence, tu dois être très clair. En haut à gauche, à côté de la porte violette et de la lumière rose. Oh. Vous avez tous eu peur. Vous avez cru. Oh, mais c'est une blague! Je me torture. Ok, il faudra qu'on aille donner la clé à Tops. Et puis c'est bon, attendez. Je voudrais. On va récupérer nos trucs. Non, même pas. On va aller au loup de Radagon. Mais je peux pas ouvrir la map, y a quelqu'un qui me suit. Qui sont ces hommes qui nous suivent? Sois rassuré, Sam, tu es comme la petite robe noire intemporelle. Si bon, t'as flatté mon ego, je suis plus fâchée du tout contre toi. Salon de débat? J'ai été voir une conseillère France Travail pour voir ce que je pouvais mettre en place dans ma boîte pour recruter des seniors. Donc moi j'y vais en me disant les plus de 50 ans, et eh ben non, non mais enfin tu me l'aurais demandé, Claire, je t'aurais automatiquement dit qu'effectivement tu parles de personnes de plus de 50 ans. Automatiquement. C'est enfin, mais attendez, là on en est déjà à Rénala du coup. Il n'y a pas moyen, moi je vais pas aller taper à mamie Rénala, hein. On n'a pas du tout le level. Hein. Bon allez, on y va juste une fois, c'est pour le plaisir de se faire défoncer par mamie, mais vous allez voir qu'on n'a pas le level. En plus, je partage sa peine à Rénala, vous savez, on rigole. Enfin, il y a plein d'objets là-bas derrière, mais il y a une vierge de fer. Franchement, j'ai pas la patience. On reviendra. Mais ouais, moi je partage sa peine, je veux dire, elle a aimé un roux aux cheveux longs, et il lui a brisé le cœur, quoi. Quel connard. Moi, je me demande juste si c'était... Si Radagon, c'était Radagon au moment où il lui a brisé le cœur, ou pas. C'est ça que je me demande. Est-ce que c'était déjà Marika, ou non? Oh putain, attendez, il y a un chevalier de Caria sur la route. Je viens de repenser. L2, L2, R2, faut pas qu'on l'oublie. Faut-il une garde fermée pour regarder tes vidéos? Je pense que c'est mieux, oui. Par contre, dans Elden Ring, les dégâts de chute sont craqués de fou. On peut atterrir d'une très grande hauteur sans subir de dégâts. Absolument, Jimmy, alors que Dark Souls 3... Genre, tu descends d'une marche, dégâts. C'est abusé, je trouve. Venez, monsieur. Putain. Là, ce very good bouclier. Hein. Oh, il a compris. Mais non! Tape! Mais tape! Oh! J'ai cru qu'il allait... Est-ce qu'il allait me faire? Excusez-moi monsieur, mais je suis pas à l'aise dans une pièce comme ça, petite et fermée. Quand on peut se feuilleter à l'air libre. Oh, il court vite. Monsieur, ne courez pas si vite. Merde, non, je voulais prendre une fiole de Wince. Non mais attends, attends, laisse-moi me soigner Jean-Michel. Jean-Édouard, là, si tu m'énerves. Mais il me stun, vous avez vu qu'il me stun avec son ouf. Merci David, merci beaucoup d'être passé. Salut Malilia, comment ça va? Ok, bon, on a payé. C'est pas grave. Nous vaincrons. T'as oublié le chevalier avant elle? Absolument, Lucas, j'avais zappé. Bah oui, la pauvre, elle a été abandonnée avec une rune de renaissance. Quelle idée. Qui lui a dit qu'elle avait envie de renaître ou de faire renaître des gens? Quelle idée. Mon compliment était gratuit, surtout tu sais bien que je trouve les femmes mûres bien plus belles. Les filles, elles vont se disputer sur le chat. Allez-y, on veut une querelle d'amoureuse. Ouais. Moi, j'ai vraiment la cote auprès des jeunes. Je sais pas pourquoi. Quand je dis jeune, trentenaire. N'allez pas vous imaginer des choses. Donc, ouais, j'ai la cote auprès des gamins. Et je me dis, non, j'aurais pu être ta mère, tu sais. Dans un autre pays.
cela aurait été possible. Alors, on est reparti, on est sérieux, on est concentré, on est bien, on est capable. D'abord, l'argent. Toujours, l'argent. Monsieur, je vous jure. Mais un vénère. Putain, par contre, ça me saoule. Il se soigne ce concours-là ou pas? Il avait plus de trucs. En même temps, j'aurais pu poser le domaine magique. Est-ce que l'un d'entre vous, ici, a regardé la vidéo de Clémo ou pas? Vous auriez pu me le dire. Ça me pose le... genre de nous deux. Ah, non, je suis prêt. Je l'ai vu au dernier moment. J'avais encore 4 chocs. Fred, détends-toi sur ce que tu dis parce que tu vas te faire ban de la chaîne très vite. Hein. Coucou Simon, comment ça va? Il est plus dur que Renala le chevalier. Tu trouves? Moi je trouve la P2 de Renala, elle est super balèze. Quand on va tabasser Renala, vous allez la trouver moins sympathique. J'ai vu mon Yuchi. Non mais c'est bien, vraiment je me sens challenger en fait. J'ai l'impression d'être vraiment sur une run compliquée pour moi, de ne pas être sur mes builds préférés. Mais du coup, ça veut dire qu'on aura au moins... Putain 25 épisodes d'Elden Ring, c'est ça le truc. Ça nous tiendra facile jusqu'à juin, cette run. C'est tout ce qu'on peut se dire. C'est tout ce qu'on peut se dire. Ça nous tiendra longtemps. Alors, vous faites tomber, mais vous êtes des dieux. Dans l'ascenseur, là-bas au bout? Moi, non, je me sens pas de... Je me sens pas de faire des choses comme ça. Attends, mon argent! Mon argent! Tabasse quand même, hein. Clémo, il doit avoir tellement de trucs pour me regarder jouer dans le jeu. J'ai pas créé un build pour voir des fails comme ça. Enfin, il va me sortir son épée de merde. Quel connard. Il est mort? Putain. Non mais non! Non mais non! Non! Soigne-toi, 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 ça sent la mort. Ça sent la mort. Non mais à un PV, tu sais. Ah quand même, putain! J'allais dire, tu te fous de ma gueule là! Ah, il nous aura saoulé! Il nous aura saoulé. Il y avait quelque chose à récupérer ici? Oh non, juste la mort. Encore un peu de mort. De la mort et de la mort et de la mort. You only die in this game. Et pourtant... Ah oui, on va ouvrir le raccourci. Vous avez vu, Playmo Letty? Playmo Letty? J'ouvre un raccourci. Soyez fiers, s'il vous plaît. Soyez fiers. Coucou Nico! Oui, aucune mauvaise intention, Fred, mais tu restes quand même sur une plateforme publique. Tu dis ça à une nana. On sait pas qui est là en live avec nous, qui nous regarde et qui est capable de rebondir là-dessus et de se dire « Ah, si ça c'est permis, ben, je peux aller plus loin encore. » Donc, pour prévenir tout débordement, on bloque tôt. L'académie a un mauvais moment à passer. Je trouve que c'était rapide, mais bon, on n'a pas fouillé de fond en comble. On n'a pas fouillé de fond en comble. Et là, on y va comme ça. Nous, on se sent genre de taper Renala avec 3 fioles. Bon, on va rigoler. Tu viens de rentrer du taf, fatigué comme tous les soirs, mais j'espère une victoire de Sam contre Renala. Alors, non, t'attends pas une victoire! On va la taper une fois, c'est juste pour le fun. Mais après, on retourne faire le château de Godric, et là, on va y taper Godric, par contre. Et là, normalement, il y aura une victoire, parce que là, je doute qu'il y ait une victoire. Je doute. Merci, mon Playmo, merci à tous pour les GG. Tu as toujours ton casque boule à facettes? Bien évidemment, Letty. Que serait la vie si nous n'étions pas une boule à facettes? Enfin, une boule à facettes ensanglantée, là, si tu vois. Merci, Fred. Accepté. Moi, je passe pas mes vendredis avec des collègues vieux qui ont la cataracte.
Arrête, mais faut pas se moquer des vieux. Mon père, il a eu la cataracte. Merci Adèle. Adèle, il attend qu'une chose, c'est de voir ma mort. De toute façon, je sais. Par contre, j'ai eu du mal contre Renala. Avec la mort, elle a une résistance magie horrible. Salut Andrina, comment ça va? Bienvenue. Elle est superbe, Renala, mais en vrai de vrai, avec ce build-là que je maîtrise pas du tout, je sais que ça passera pas. Et je pense qu'on va faire des dégâts de merde. Moi, ce qui m'embête, c'est quand elle se met à invoquer le dragon. Elle a quand même pas mal d'invocations sur la P2. Hein. Non, non, on a pas fait Godric. En fait, tu sais, on est passé derrière le château. Malenia, on a pris le petit raccourci. Regardez comme je suis belle. Je suis impressionnante avec mon home paillette. En plus, je déteste ces gamins. Déjà que les enfants et moi, c'est pas une partie de plaisir. Mais alors, autant d'un coup dans la même pièce. Heureusement, on a le droit de les tuer. C'est horrible ce que je viens de dire. Par contre, ce boss... Little Calva. J'adore sa voix. Elle a des belles mains. I'll soon birth thee anew. A sweeting, fresh and pure. C'est une peau qu'elle a de porcelaine. En plus, le petit trait de liner bleu sous l'œil, c'est magnifique. Elle est fashion. Hein. Elle est fashion. Alors, où sont les comptes? Mais c'est moi
Zéro fiole. Zéro fiole et une arme qui fait pas beaucoup de dégâts. Et on peut pas la tuer à la magie, hein. Le temps que Fronde se fasse, c'est mort. It's muerte. It's not possible. On va se laisser les cinématiques, c'est pour Letty. Letty qui les fait toutes passer. Il te faut un gros marteau, Sam. Oh, non, mais il me faut une arme, en fait. Croc de limier. No, j'arrive pas avec son mousset, il est particulier. Le son du jeu est fort, est-ce que tout le monde est d'accord avec Seven? J'ai baissé un peu, vous me direz. J'adore entendre Rani. À ce moment-là, Letty, tu découvres. Découvre, s'il te plaît. Là, c'est la voix de Rani. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Ah, d'accord, Plémo. Foul trespasser. Foul trespasser. Send word far and wide. Oh mon dieu, elle est tellement belle, Rhaenyra. C'est tellement un boss incroyablement beau. Of the last queen of Caria. Renala of the Bon, alors du coup, qu'elle sache Letty, parce que Letty ne sait pas. Putain, j'allais prendre ma douche. Là, c'est pas Rhaenyra en fait qu'on affronte. Hein. C'est Rani qui projette sa mère, pour que tu saches. Parce que sa mère, elle est pas en état de fighter du tout. Donc là, c'est Rani en fait qui contrôle la poupée de sa mère. C'est bien commencé par la poupée de sa mère. Elle commence fort en plus. Hein. Elle balance de ses sorts. C'est quoi? On a que ça à prendre, c'est... Ah, mais j'ai pas la lune à la gueule. On fait plus d'esquive en vrai que d'attaque. Oui, un coup. Fabuleux. Deux. Madame, respectez-vous, respectez-nous. On peut la backstab? Est-ce qu'elle est backstabable? On aura descendu d'un tiers sa vie avec zéro fiole. Merci Seven, merci pour le compliment. Tu peux la stun? Ouais, voilà, j'avais pas assez. J'ai pas assez tapé. Bref, le but c'était juste d'aller s'amuser à la taper, mais on va pas fighter maintenant Rhaenyra parce qu'elle est un petit peu chaude, la madame. Donc on va aller faire. Godric. Entre Godric et Rhaenyra, vous trouvez que qui est le plus simple? En vrai? Qui est le plus simple des deux? Ha! Non mais sérieux, c'est Rani. Oui, Letty, elle dit « Upon who I am, Rani the witch. Tu ne dérangeras pas en fait le sommeil de ma mère. » Et elle te défonce. Et c'est Rani qui contrôle sa maman. Une projection de sa maman en tout cas. Bah, tu vois bien, tu sais, après quand... Ça par contre, t'as dû le voir. Tu sais que Rhaenyra, après, elle est dans la grande bibliothèque et puis elle est complètement dépressive, t'es penchée sur sa rune de renaissance. Et ben, tu vois, elle est pas trop en état de faire un vrai fight en fait. Donc ce n'est pas elle que tu fights. Vraiment, Letty, je suis contente que tu suives cette run hein, pour découvrir le. Non mais je vous jure, je me sens. J'ai jamais mis autant de coups pour taper quelqu'un, hein. Pour tuer quelqu'un, c'est pas possible. Je pense que j'ai pas pris assez de level. Hein. Il me semble qu'on a encore le gros dragon qui est vivant. Je suis quel niveau? Je pense que j'ai pas le niveau. Est-ce que si Plémo il est encore là? Est-ce que niveau 47 et je suis à combien de force? Ah mais 13 de force, il faut monter quoi sur cette arme là déjà? Ah, merci mon Yuchi, je baisse un peu le son du jeu, vous me dites si c'est trop bas. Il faut que je monte la force ou la dex, parce que là je fais vraiment pas de dégâts. Si ce petit imbécile de fils de Godric là, j'ai mis 50 ans à le tuer. Tu peux aller tuer Mog. Dex et intelligence, est-ce que pour toi c'est un niveau pour être dans le château là? Vu les dégâts que je viens de faire, est-ce que ça te choque ou pas? Après, c'est peut-être juste moi qui suis également une mauvaise joueuse. Hein. On peut regarder la réalité en face. C'est juste dommage, tu vois, que je suis une excellente joueuse avec ton autre build. Et que c'est pas celui que je diffuse sur Internet. Dex, la katana fera plus de dégâts physiques. Un tel, la cendre fera plus de dégâts. D'accord, merci pour l'explication. Non mais Simon, pas toi. Toi, t'as trop un level haut pour venir parler en fait, pour venir dire oui que j'ai le niveau. Pas toi.
On va voir comment on se débrouille là contre les aigles. On va tous rigoler très très fort. Et il est où d'ailleurs le chevalier du creuset qui est censé se promener par ici? Putain, non mais eux c'est la mort. Croyez qu'on peut le surprendre? C'est sûr que non. Eux c'est les pires ennemis du jeu. Enfin, ils font partie des pires. Non mais la caméra. Ok. Ouais, j'ai jamais trouvé le chevalier du creuset qui traîne par ici. Je sais qu'il y en a un. Et c'est là, comme par hasard, bien sûr, aujourd'hui, qu'on va le trouver. Ok, ça sent la mort par là. Et bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne si vous nous découvrez. Parce qu'ici, c'est la chaîne de la performance. C'est là où vous verrez les meilleures fights de boss, en no-hit, tout. Juste incroyable, quoi. On est incroyable. Il faut le dire. Voilà. On vous le prouve, on survit à 1 PV et on tue les ennemis. C'est... Qui arrive à faire ça? Enfin... Super, je viens de prendre une fiole cyrilienne. Okidoki. Pour Valorage, t'es large au-dessus. Pour l'académie, juste comme il faut. Ah ouais? Ben écoute, on va voir ça de ce pas. Playmo, tu avais fait une vidéo sur l'autre éclipse que l'on loot assez tard dans le jeu. L'autre éclipse, quelle éclipse? Je fais cette run de Playmo aussi et le château de Valorage, il passe à l'aise à ton niveau. Donc là, en fait, Claire, t'es juste en train de me foutre la honte si jamais j'y arrive pas. Si jamais moi je galère. Tu diras, bah non, mais c'est pas normal, Sam, c'est vraiment toi qui galère. C'est ça. Et vous avez vu quand même, vous avez remarqué que dans la cime des géants, tous les géants, quasiment, ils sont plantés dans le sol avec la Malemort. Ça se demandait ce qu'elle a fait, la Marika, là-bas. Hein. C'est vraiment une bitch, pas possible, cette femme. Hein. Monsieur, monsieur, assumez, venez. Ah oui, non, ah oui, on est largement au-dessus. On les tue en un coup. On est good. Ah oui, effectivement, effectivement. Bon, je devrais y arriver. Salut Kibikyo, comment ça va? Je t'ai découvert sur les lives de Raphaël Farmer, mais oui, je me rappelle très bien de ton pseudo. Comment tu vas? Bienvenue sur la chaîne. Tu verras, ici, c'est à peu près la même ambiance que chez Raphaël, à savoir beaucoup de conneries et un peu de jeu. Merci, ma petite Claire, merci, merci. Tu vas arrêter la run juste après avoir débloqué le doc? Le DLC? Où tu le feras en NG+. Alors, il n'y aura pas de NG+, mais par contre, c'est une run où on va au bout du jeu. On va tuer la bête d'Elden. Je veux dire, on va au bout du bout. Qui serions-nous si on arrêtait une partie d'Elden Ring comme ça en cours de... Attendez, j'aurais juste rapproché le micro. Il est un peu loin. J'ai l'impression de moi. Vous m'entendez bien? Allô? Allô? Il m'a vu? Oui, il m'a vu. Oh. Mais on a largement le niveau! Non mais Godric, on va lui rouler dessus en fait, attendez. J'avais super peur, mais non, j'avais peur parce que l'académie c'est vraiment le niveau au-dessus. Ah, mais attendez, je me sens d'un coup beaucoup plus à l'aise. D'un coup, Playmo, je me sens en confiance avec ce build. Attends, monsieur. Erreur, erreur, pour pas te prendre des dégâts de feu! Quelle bande de connards. Oh, je déteste le chevalier qui est caché ici. Non mais, ça va aller peut-être, on va se détendre la nouille. Lui aussi, il tire à distance. On vient de récupérer un papillon de Mesmer. Touk. Là, là. Touk. Je déteste le gars qui est là. Je préfère vous le dire d'avance. Je le déteste. Je le déteste. Je le déteste. Merci Sean, merci beaucoup. Merci, merci. Comment tu vas? Maman, j'aime pas les gros chevaliers comme ça, ils font pas. Ça va Kimikyo, mais ça ira mieux une fois qu'on aura tué ce chevalier. Du zodiaque. Ah, on s'est trop senti pousser les ailes là.
Putain, dégâts de merde. Moi je dis, sortons, sortons. C'est dommage qu'on puisse pas fermer la porte derrière nous. T'as une fiole? Il est bloqué? Il est bloqué ce con. Regardez-le. Regardez-le, il va réfléchir pendant 3h30. Est-ce qu'il y a moyen que je le shoote de là ou pas? Oh oui. Je sais, c'était lâche, mais on s'en fout. Le jeu l'a permis. Moi, j'ai pris. C'est tout. Clé rouillée. C'est la clé qui mène à mon cœur qui est rouillée. Alors. Talisman des picorbis. Fabulous. Qu'est-ce qu'on a comme talisman? Ce me semble qu'on s'était quand même équipé hein, de talismans. Ah non, aucun. Bah attendez, on va s'équiper. Augmente les PC maximum. Bah, pour notre build, c'est quand même très bien. Augmente la vigueur. Non, moi je prends rien qui augmente les dégâts subis. Les contre-attaques, les coups finales. Les attaques chargées. La perte d'endurance. Ouais. Réduit les dégâts subis en cas de tir à la tête. Non, je vais mettre. Améliore les attaques chargées. Et celui-là. Je suis pas en charge lourde, hein, on est en charge moyenne. We are good. We are very good. Let's go. Let's go, on va aller taper le gogo. On va aller taper le gogo. Touk. Très bien, très bien. Bon, là-bas, ça doit être un petit objet. Je pense pas que ce soit grave. On a déjà été, les copains, au bastion? Je sais plus. Le jeu c'est mieux au niveau de Sam. Regardez Adèle comme il est méchant. Regardez Adèle. Pour le DLC, je vais partir sur build Flamme Pêcheresse et les épées de glace. Playmo m'a émerveillé avec ce build, je suis trop fan. C'est quoi Flamme Pêcheresse? Ça donne envie au titre en tout cas. Sommes-nous dans le péché? Oh putain, Adèle! Adèle avec sa malédiction de merde. Ah là 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 là. Hop, on est reparti. C'est pas grave. C'est pas grave, on va passer tout droit à la porte. Lui, j'ai déjà essayé. Il n'y a pas moyen de réussir à le taper avant de... avant qu'il ne sonne. Venez vous offrir à ma lame. Oh, fouiller le corps. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Let's go. C'était bien ce week-end de 3 jours. Hein. Je suis quand même triste d'avoir déjà repris le travail. Par contre, je suis bientôt en vacances. Est-ce que vous avez des vacances, vous, qui arrivent bientôt ou pas? Parce que moi, je suis bientôt en vacances. Enfin, bientôt. Le 1er mai. Je sais pas quand est-ce que ça tombe, en plus. Donc... je vais pas m'amuser à aller chercher à l'extérieur hein, les armes qu'il y a. Je vous le dis juste. Voilà, voilà. Mais ouais, je suis en vacances du 1er mai jusqu'au 21. 3 semaines. 3 semaines, ça, c'est de la vraie déconnexion. Parce que à chaque fois que je pose une semaine de vacances, bien évidemment, c'est très bien. Je vais pas me plaindre. Are you footing de ma gueule? Je vais pas me plaindre d'avoir une semaine de vacances. Mais en vrai, une semaine... ça passe trop vite, en fait, entre ce que vous avez à faire, les trucs administratifs, le ménage, les rangements et tout. En vrai, vous n'êtes pas en mode vraiment déconnexion. 2 semaines, ça commence à être sympa. 3 semaines, ça commence à sentir très bon. Je trouve. Je trouve. Oh, la marionnette sans nom, elle est dure. Bon courage, bon courage. Bon courage, bon courage. 1 mois de vacances, mais cet été. Rien entre Noël et l'été. Oh mon dieu, Elo! Tu sais, des fois en plus, Elo, tu sais, quand je pense et que je me dis, j'aimerais bien repartir vivre à l'étranger, je me dis, rappelle-toi qu'à l'étranger, t'auras pas 10 semaines de congé. Et là, d'un coup, tu dis, tu sais, tu t'habitues en fait, l'air de rien. 10 semaines, c'est énorme. Hein. Et quand d'un coup, tu redescends à 4 ou 5. Oh non, non, non. Oh, ça va. Oh, non. Are you footing de ma gueule? Je m'attendais pas à ce saut. Vraiment, monsieur, je m'y attendais pas. Vous m'avez surprise. Vous m'avez surprise. Alors, là, je crois qu'il n'y a rien. Donc, on peut monter. Voilà, voilà. Putain, je kiffe jouer à ce jeu. C'est ouf, quand même, de l'avoir fait autant de fois. Attendez, il y a un site de grâce. De l'avoir fait autant de fois et de ne pas me lasser, quoi. Et je me dis, à aucun moment, je crois qu'on peut pas.
Et à aucun moment de me dire c'est bon, j'ai envie de jouer à autre chose. Est-ce que c'est pas trop chelou? À aucun moment je ressens le besoin d'aller faire autre chose, quoi. C'est ouf, c'est l'amour. Je vais me prendre une semaine de repos au mois de mai, perso. T'as raison, en plus avec les ponts, autant en profiter. Je suis de nouveau en vacances le 24 avril le soir, une semaine et demie. Ah, ça te fera du bien. Ça te fera du bien. Je suis pas du tout vacances. Mais comment c'est possible de pas être du tout vacances? C'est-à-dire, t'aimes travailler en continu? Explique-nous. Ça veut dire quoi, je suis pas du tout vacances? C'est quoi? Je peux pas comprendre le concept. Parce que ça s'appelle de l'esclavage dans mon mode de pensée. Donc je ne comprends pas. Salut mon petit Myrte, comment tu vas? Bienvenue. On dit qu'il faut minimum 15 jours pour permettre à l'esprit de réellement déconnecter du travail et de son rythme. Effectivement, Letty, et je pense que tu dois t'en rendre compte aussi, je trouve que quand tu n'as qu'une semaine, en vrai, une semaine de congé, tu te réveilles les matins comme si tu allais bosser. Oh, c'est pas risqué de faire ça, de sauter en face. Ben non, on a réussi. On a réussi parce qu'on est les meilleurs, bien évidemment. Mais ouais, moi je trouve, le matin, je continue de me réveiller en fait, comme si j'allais au taf. Ce qui est absolument horrible. Hein. C'est horrible. Hein. Tu as de la chance, j'ai du mal à refaire un jeu plusieurs fois. Il y a un jeu que je voulais refaire aussi une deuxième fois, RS, et que j'ai pas réussi à avancer, à passer le début. C'est... Ouh! Monsieur. Red Dead Redemption 2. J'ai toujours eu envie de le refaire une deuxième fois en entier. J'ai jamais réussi à aller au bout d'une seconde run. C'est... Chaque fois quand j'arrive à Valentine, ça y est, après je commence à me lasser. Alors que j'ai adoré ce jeu. Qui est le connard qui me balance des gaz comme ça? Monsieur, si vous avez des problèmes gastriques, allez voir un médecin. C'est quoi cette violence? Sur les femmes en plus. C'est l'un des seuls jeux, même après l'avoir fait plusieurs fois, on continue à découvrir. Aussi, Adèle, c'est vrai qu'on continue à découvrir. Bah rien que là, en fait, le build de Playmo. Ça reste une découverte, c'est quelque chose auquel je suis pas du tout habituée alors que c'est le même jeu. Donc au final, en effet. Est-ce qu'il y a un intérêt à monter en haut? Est-ce que j'ai loupé un objet ou pas? Bah si, je vais aller récupérer mes runes. For the runes. Let's go. Let's go récupérer les runes. Voilà. L'agence touriste. C'est vraiment... Je sais pas comment font les gens qui jouent dans le noir. Qui mettent pas automatiquement leur lanterne quand on est dans le noir. Moi, avec mes yeux de vieille, c'est impératif. Alors, mes runes. Scusi. Cher, il aura pas eu le temps d'appeler ses potes. C'est toi qui m'as tué tout à l'heure, c'est toi. Y a rien, en fait. Pourquoi on monte ici, en vrai, pour rien? Pour rien, je vous jure. Super, des champignons. Qui a déjà utilisé des champignons dans sa vie? Par contre, sachez que les rats ennemis qu'on n'aime pas forcément, les rats peuvent lâcher des arcs runiques. C'est quand même assez ouf, mais les rats ont cette capacité-là. Ben on va reprendre le site de grâce qui est juste là, du coup. Qu'est-ce qu'il a fait, mon YouTube, pour que vous disiez tout GG? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Plus de vacances avant l'année prochaine. God bless you, mon Yuji. Bonne chance. C'est la 13e run, Nico, là, sur le jeu. M'en parle pas, il y a 6 ans, j'étais dans l'éducation nationale. Le changement de vacances est violent. Oh, tu m'étonnes! Tu m'étonnes, c'est ouf! J'étais fonctionnaire avant aussi. Ça m'a fait bizarre quand je suis repartie dans le public. Moi, je suis pas fonctionnaire, hein. Je stresse en vacances, ce boulot ne s'arrête pas avec mon absence et au retour je dois gérer plein de catastrophes, donc je ne profite pas du tout. Ah oui, c'est que t'arrives pas en fait à déconnecter. Je comprends, je comprends. Je comprends tout à fait. Le confinement avait permis aux gens de déconnecter. Ouais, en ayant peur de crever quand même. C'était... Ah là 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 là. J'ai énormément de persos, je ne m'en lasse pas. Une run. De temps en temps, entre d'autres jeux différents, ça me convient mieux. Ah, je comprends, Malenia. J'ai du mal, moi, à aller sur d'autres jeux. The Last of Us, plusieurs fois, sans me lasser, mais beaucoup d'autres. The Last of Us est excellent à refaire, je suis d'accord, Fred. Franchement, les gens qui bossent dans le secteur privé, force à vous. On peut dire ce qu'on veut, 2 semaines de vacances toutes les 7 semaines, c'est bien agréable.
Mais je suis dans le privé, moi. C'est juste que j'ai des RTT, en fait. Oh non, c'est la zone de l'enfer. Attendez, on va les fronder. Des fois, je me rappelle qu'on a de la magie. Ouais, moi, je suis dans le privé, en fait. Mais vu que je bosse plus de 35 heures par semaine, j'ai droit, du coup, à des RTT. Et j'en ai suffisamment pour que ça me fasse 10 semaines, du coup, au total. Entre les 5 semaines de CP. Garde-le caché dans un coin. On laisse pas bébé dans un coin. Merde, on l'a pas tué. Merde, on l'a pas tué, tue-le. Heureusement, son poteau s'est pas levé. Si, ça y est, c'est levé. Ah, j'aurais bien voulu que le pot explosif qu'il avait entre les pattes lui explose dessus, mais... Que voulez-vous? On peut pas avoir tout ce qu'on veut la première fois. Ça, pour ça, la magie, c'est quand même très cool. Hein. Pour les ennemis volants. Autant pour tous les autres, je suis pas forcément... Je prône pas forcément la magie, mais alors franchement, pour les ennemis volants... J'ai galéré à tuer l'autre con de... Descends. Descends. De Astel, le rejeton du vide. Je l'ai tué quand même tué en first try. Hein. Mais il m'a saoulé en fait avec sa tête là qui arrêtait pas de bouger, de monter en haut et en bas. Il m'a gonflé. Il m'a gonflé, je vous jure. Alors. Là aussi, je crois qu'il y a un putain d'oiseau de merde qui nous saute dessus. Ou juste derrière, je sais plus. Il y en a un quelque part caché. Ou peut-être que c'est derrière. Yonosé, on va voir ça tout de suite. T'as comment il est ensanglanté, mon home. RTT 35 heures, des mots qui font rêver. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens, en fait, vraiment à 35 heures par semaine. Je sais pas. J'ai adoré Red Dead 2 RS, mais vraiment. J'ai eu beaucoup de mal avec l'inertie du personnage et le jeu a un gameplay un peu lourdingue. Alors, c'est lourd, mais l'histoire, quoi. L'histoire et Arthur Morgan, tu t'y attaches. Mon Arthur. Les rats peuvent lâcher des arcs runiques, il faut un niveau 60 en ésotérisme. Je te jure que certains rats, en fait, lâchent un objet violet, c'est un arc runique, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Ouais, les rats en lâchent, élite. Les arcs runiques, je les claque sans m'équiper de runes. Nickel, mais pourquoi Letty, du coup? Perso, confinement, j'étais toujours sur les chantiers. T'as pas été confiné, du coup, Lucas? D'accord. Sam, une simple flèche de feu dans le tonneau et boum le pigeon. Ah, j'ai jamais fait ça, tu vois. Coucou Brandon, comment ça va? Bienvenue. Quand je vois Brandon, je pense à mon pote Brandon le Proctor. J'espère que tu vas bien. Là, il y a un putain, il y a une volaille. Il y a une volaille, mais je sais pas où. Où est la volaille? Parce qu'elle va nous attaquer. Hein. Non? Elle nous a pas attaqué? C'est bizarre. Je vous jure qu'il y avait une volaille sur ces hauteurs. Bizarre, bon. Oh, mais eux aussi, ça veut dire que je peux les shooter à distance. Attendez. Attendez, attendez. Putain, le confort. Eh non, mais c'est un confort, la magie, par contre. Oh, tu te débarrasses du plus chiant des deux. Ou alors, attends, tu le cueilles quand il va monter, parce qu'il monte, je suis sûre. Regarde, et puis il monte avec... Ouh là. Ils sont pressés. Hein. Pressés de mourir. C'est beau. C'est bon, ça y est, je suis fan du build. Je kiffe. Je kiffe. Alors. 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 Qui veut se marier avec moi? On est dans une église. C'est le moment. Roger. Hello, Roger. Je m'appelle Roger. Et comme vous l'aurez peut-être deviné, je suis un sorcier. Pourquoi tu veux qu'on le devine? Je cherche quelque chose dans ce château. Enfin, pour être honnête, je passe le plus clair de mon temps à fuir les soldats. Mais assez parlé de moi, qu'est-ce qui vous amène au château de Vol-Orage? Qu'est-ce qu'il cherche en vrai dans le château, lui? Ce n'est pas un lieu recommandé pour les sans-éclats. Ils nous traquent et nous sacrifient, vous savez, pour leur greffe. Qu'est-ce qu'il cherche, Rogier? J'ai jamais fait sa quête. Si vous êtes ici, c'est que vous avez une idée derrière la tête. Je suis ici pour défaire Godric. Je vois, vous venez défier Godric dans l'espoir de vous emparer d'une rune majeure, n'est-ce pas? J'imagine donc que vous la voyez, non? La grâce censée nous guider. Oui, nous, on la voit. Eh bien, profitez-en tant que vous pouvez. Je suis un sans-éclat comme vous. Mais contrairement à vous, il y a belle lurette que cette grâce ne s'est plus manifestée à moi. Ah, je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti en arrivant ici dans l'Entre-Terre. Il arrivait d'où? Je connais quelques arts magiques utiles au combat. Oui, apprends-moi des trucs. En tant que sans-éclat autrefois guidé par la grâce, je me ferai un plaisir de vous aider si cela vous intéresse. Oui, c'est ce que je voulais. Ah non, mais non, c'est des cendres de guerre.
Monsieur, non, je voulais apprendre des magies. Feyesh, c'est pas ce que je voulais, monsieur. C'est pas grave. Vous avez déjà essayé de le tuer? Ah merde, on peut pas taper. Je viens d'essayer d'appuyer sur R1, mais ça m'a dit non. Pourquoi on peut pas tuer Rogier? Vous trouvez pas ça bizarre? Il est pas si important que ça, en fait, dans le lore. Non? Ça me semble chelou. Salut mon Zorkan, comment tu vas? Trop content de passer la soirée avec vous, merci beaucoup. Oui, je suis en feu. Aujourd'hui, on a remis les cheveux roux. Il cherche les traces des non-morts dans les sous-sols du château. Ah, d'accord. Donc là où il y a notre cher Godwin défiguré. D'ailleurs, je comprends pas comment le visage de Godwin peut être ici. Et également à fond de racine. À fond de racine, ça a l'air d'être son vrai corps. Alors quel est ce second... Je crois que là, il n'y a rien. C'est juste... ouais. Ça tourne en rond. Quel est en fait ce second visage? Enfin, pas à fond de racine, là, en bas du château. C'est qui, en fait? Oh, regardez, mais c'est fantastico-fantastique. On peut les tuer tous à distance. Attendez, mais ça me rappelle tellement ma toute première run, quoi. C'est triste. C'est triste. Oh non, il y a un sion ici, en bas. Dans la grande salle. Je les déteste. Je les hais. Je les hais au plus haut point. Alors. Tac. Dans le château de Laz. C'est pas là qu'il y a le troll? Qui est pendu? Non, c'est pas là. Alors ça, mais c'est hyper balèze d'arriver en face pour le coffre. J'ai cherché genre 70 ans avant de le trouver la première fois. Et là, je me rappelle pas comment on faisait. Oh oui, le sion! Du coup, je peux le tuer à distance. Oh, mère miséricordieuse. C'est fabuleux, c'est fantastique. Je suis tellement heureuse. Eux, vraiment, je les déteste. Ça fait vraiment partie des ennemis qui m'horripilent. En fait, tous les ennemis qui ont un peu trop de dextérité, qui sont un peu trop rapides, ils me mettent très mal à l'aise. Voilà. Mais vous cachez pas comme ça, monsieur. Mais je peux plus le... loquer. Laissez-vous loquer, voyons. C'est pour le meilleur. Ah. Yes. Yes. Cool. Parce que vraiment, je le déteste, lui. Je le haïs. A-I-O-E-O. Voilà, il est là, notre troll. Pauvre petit troll. Pendux. Pendux par les pieds. Oh. Non, non. Mais j'ai roulé. Respecte-moi, roulade. No way! Oh non, je crois que le site de grâce est genre super loin. Salut, mon Stalex, comment tu vas? Je crois que le site de grâce est super loin. C'est pas grave, on va courir. Tu peux pas le tuer parce que c'est pas très gentil. Elite, effectivement. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir la bouille de Sam quand elle va lancer le DLC mot sur la poussière dans les yeux. Ah, mais c'est sûr que je vais pleurer. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. On va voir Mesmer à l'écran. Est-ce qu'on se tape? Est-ce qu'on se prend? Je pense qu'on court. On fait la technique de Sam. Allez, on a assez d'endus pour se permettre. Ah, il y en a quand même un qui est mort. C'est beau, c'est beau. Il y a eu un mort quand même dans la... Je crois qu'il y en a un derrière mon huc aussi qui est en train de me follow. Non, je me suis trompée de fiole. J'ai gâché une fiole. Alors, est-ce qu'ils vont m'attaquer de là, les oiseaux, ou pas? Ou est-ce que je peux tuer l'autre monsieur? Ça s'appelle de la chatte. Est-ce que ça vous arrive aussi quand vous jouez? Question. Question pour un champion, mais question. Est-ce que ça arrive à tout le monde, ce genre de coup de balle? Est-ce que vous croyez qu'il me suit encore? Bon, attendez, ici, je pourrais fighter. Est-ce qu'il m'a suivi ou pas? On dirait pas. Alors c'est bon, putain, c'était quelque chose. Salut Captain, comment tu vas? De R2, il est mort, d'accord. Ouf, c'est bon. On va juste retuer le sion en bas.
Si personne m'attaque, on va peut-être aller tuer lui au fond quand même. On va peut-être pas jouer les malins. Voilà. Où est-il? Où est-il? Notre ennemi numéro 1. Monsieur? Il est caché. Ah, peut-être qu'il apparaissait qu'une fois, non? C'est pas un ennemi redondant. C'est peut-être ça. Oui, ça va très bien, RGB. Très très bien. Non, c'est pas un ennemi redondant. Je crois qu'on le tue qu'une fois. Ah mais vraiment Nico, ça te fait. Ça, ils me font sursauter à chaque fois. Super. Oh super, j'adore les fails. Super. Non, ne mourons pas de quand même deux fois du même ennemi, ça serait. Ça serait ridicule. Il lui restait un PV, hein. Il lui restait un PV. Alors. Schlouk. Salut, tu es beau Damien, comment tu vas? Bienvenue sur le live. Coucou Nico! Oh Nicolas, comme ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment vas-tu Nicolas? Bienvenue, bienvenue. J'espère que tu vas bien. C'est bien, tu m'as pas complètement oublié. Monsieur, personne me shoot à distance. It's a no-no. It's a no-no. Bon, il a chuté. Alors. Putain, je m'attendais pas à le voir. Voilà. Adios. Ça s'ouvre pas, je suis sûre. Voilà. Parce que ça serait trop beau si ça s'ouvrait. Ah, ces jeux veulent pas nous faciliter la vie en vrai. Tu sais, la nana, elle lance les jeux les plus durs du monde, puis après, ah, ils veulent pas nous faciliter la vie. Ils sont chiens. Donc. En même temps, non. Je trouve que, en fait. Quand t'as compris la construction de build comme Playmo ou Exu et que t'as la larme imitatrice, en vrai le jeu tu roules dessus. Il lui reste plus réellement de difficultés quoi. De grosses grosses difficultés, après c'est une question de niveau quoi. Juste prendre des niveaux, mais à part ça. Salutations au second Seigneur d'Elden. C'est notre ami Godfrey. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? J'ai oublié. Putain, la première fois que je suis venue dans cette pièce, ça m'avait tellement dégoûtée quand j'ai vu tous les membres. Puis regardez là, je veux dire, c'est une double main. Enfin, c'est quand même... C'est dégueulasse. Regardez, regardez ça. Des fois, il faut prendre le temps, tu vois. Et moi, je me dis toujours, qui est le cerveau qui a inventé ça? Qui un jour s'est posé, tu vois, avec son cahier à dessin et s'est dit, là, on pourrait mettre ça et là, on pourrait faire ça. Je me sens plus de tuer toi en premier. Je sais pas. T'avais une bonne bouille. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Capuche pourpre. C'est la capuche de qui? De Roderica? Voilà. Ça, c'est fait. Y a pas un ascenseur, là? Mais si, bien sûr que si, il y a un ascenseur. Je crois que ça nous ramène du coup au site de grâce. Toujours sur ce jeu surcoté. Nico, je n'arrêterai jamais. J'aurai 90 ans que je serai encore sur Elden Ring. This is the life I chose. Donc effectivement, ça ramène bien au site de grâce. Est-ce qu'on a besoin de s'asseoir? Non, on a encore 4 fioles. Pas besoin. Pas besoin de récupérer nos fioles. Salut Sony Sarah. Bonsoir, merci pour cette petite soirée détente devant ce jeu de dingue. Voilà, prenez exemple sur Sarah qui arrive et qui fait un putain de compliment sur Elden Ring. Sarah, sois la bienvenue. Si tu es une femme, sauf si c'est Sony, je ne sais pas Sony ou Sarah, tu me dis, mais sois la bienvenue, quelle belle façon d'arriver quand même. Tu as des leçons à donner à ces hommes mal polis qui sont là avec nous. Salut Mirac, comment tu vas? Bonsoir, très cool ce build. Il n'est pas de mon fait, il est du fait de Playmo. C'est lui qui a créé... qui a créé le build et tu peux retrouver la vidéo pour le faire sur sa chaîne. C'est des builds prépa DLC si jamais ça t'intéresse de... Attendez, je crois qu'il y a... Voilà. Je me suis lancée avec beaucoup de... Ah non, ça va. Je sais pas pourquoi il m'a fait peur parce qu'il était gros. Et du coup, j'ai pas pris le... l'objet qui est juste là. Pierre de forge sombre 2. Qui est cette personne? Qui est-ce? Connaissons-nous le lore aussi bien que nous le pensons? Il y en a un deuxième. Voilà. Putain,
Putain, elle est quand même bien cette attaque. Hein. Il n'y a pas à dire. Par contre, je suis quand même très curieuse de tester le build d'Exerve qui fight lui avec un bouclier. Genre, j'ai jamais fait ça. Fighter avec un bouclier. Donc là, on a tué. Oh non! On t'a tué tout à l'heure, mais on est mort entre temps. Voilà. Un objet. La lame d'affûtage! Yay! Je dis ça comme si je savais à quoi ça servait. C'est pour les centres de guerre. Mais on demandera à Plémo ou Exerve en temps voulu. Okidoki. Alors, ensuite. La suite. Je descendrai bien quand même voir... le corps décomposé de Godwin. Parce qu'il y a quand même pas mal d'objets là-bas à récupérer. Mais je sais plus y aller. Je sais qu'il faut sauter par-dessus... un petit balcon. Il n'y a pas d'objet. S'il y a un objet au fond, bien évidemment. Ça, c'est plus drôle. Mais je descendrai bien en bas. En plus, j'aime bien le tuer, cet ennemi-là. Comment il s'appelle, le gros ver de terre. Vous savez quel est son nom? Je l'aime bien comme ennemi. C'est hallucinant, le champ des possibles, quand tu comprends un build. T'as vu, Letty, c'est dingue. Bah, moi, je comprends toujours pas, mais je fais les builds que les autres créent. Mais du coup, on s'amuse comme des fous. Moi aussi, j'aimerais avoir cette compréhension, Moyuchi. Mais je pense que les garçons, ils jouent quand même aux Souls, à tous ces jeux, depuis des années et des années. Et eux, ils savent, tu vois, quand une arme, elle va scaler ça, ou faire des dégâts de sang, des dégâts de blablabla, et bliblablo. Là, j'aurais bien voulu avoir l'alarme. J'ai qui, là, d'équiper? Une méduse, non, mais ça va pas. Qu'est-ce qu'on fasse d'une méduse? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! The fuck. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soldat de Raya. Oh, un chevalier banni. Ça doit taper fort, ça. Je veux dire qu'il va se faire tuer direct parce qu'il est niveau 0. Ah, mais j'ai pas de quoi l'invoquer. Ah non, c'est parce que je peux pas l'invoquer. Donne-toi à fond! On parie qu'il meurt en 2 secondes? Non, il a l'air d'avoir de la résistance. Ah, monsieur, bonsoir, bienvenue à tous les ennemis, bienvenue aux gens qui arrivent hein, sur la chaîne, ceux qui découvrent ce soir. Soyez les bienvenus sur la chaîne des Souls, de l'amour, et surtout d'Elden Ring. Je descendrai en bas après dans ce petit caveau. Wouhou! Putain. Il est vénère, hein! Et je l'avais jamais invoqué ma vie. J'ai jamais utilisé d'autres larmes que... Enfin, d'autres cendres que Tiche ou ma larme imitatrice. Donc c'est bien, on découvre. Franchement, il est balèze, hein! Je pense qu'en lui montant un petit peu les... En lui montant un petit peu les trucs... It can be really interesting. Voilà. Non, là elle va disparaître. Attends. Je m'assure qu'on a fait le ménage comme il se doit. Ça me fait penser à une réflexion de Valérie Pécresse qui a dit « Je veux une région propre. » Et pour ça, rien ne vaut une femme pour faire le ménage. Quelle connasse. Quelle connasse quand même d'avoir dit ça. On récupère ça. Bon, il y a le gros là à les taper. On va le taper du coup avec notre chevalier. Le réprouvé là. Je sais pas si c'est un réprouvé, mais. Est-ce que vous croyez qu'on peut le backstab? Oui, avec un yinch à côté, c'est absolument possible. Non! Il l'a tué! Non, mais tu m'as tué! I died! Highlight. Coucou mon Yann, comment c'était le travail? Je me suis fightée ce matin avec les duos sanctuaires horrible ce boss. À Farum. Chaud. Chaud, j'avoue, c'est chaud. Ouais, j'aimerais bien essayer le bouclier. Hein. Vraiment, c'est un build à faire. On va te convertir au Zelda. J'espère, Marine, que c'est pas à moi que tu parles. Parce que je les ai fait, hein, les Breath of the Wild et le Tears of the Kingdom. Et vous ne me convertirez pas, madame. Vous ne me convertirez pas. Ah là 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 là.
Coucou mon David, comment ça fait plaisir? Oh tarnished, serait-ce Elden Ring encore? Coucou Sam et tout le monde. On ne s'en lasse pas, que veux-tu? Que veux-tu mon dada, on ne s'en lasse pas. C'est la vie, on aime ce jeu. Par contre, ça fait chier de tout se retaper. J'ai l'impression d'avoir loupé une. J'ai l'impression d'avoir loupé un site de grâce quand même dans l'histoire. Are you footing de ma gueule? This is a bad start. Non mais non, non! Mes runes! Mais... Pourquoi ça m'arrive toujours quand je dois perdre de l'argent? C'est bon, je suis saoulée. Je suis saoulée, on va arrêter le live là. Bonne nuit Flo! Merci beaucoup d'avoir été là. Passe une très bonne nuit. Oui, ça va très bien mon dada. Ouais, tu sais, quand on est sur Elden Ring, comme à chaque fois, t'es morte. Nico, merci. Merci pour ta perspicacité. Tu es un être extraordinaire, on ne le dira jamais assez. On avait besoin d'un chimiste. Un chimiste corse. Pour nous expliquer ce fait un peu choquant. On aurait pu passer à côté, mais grâce à lui, ouf, nous le savons. Merci Nico. C'est une run découverte, madame? Une run découverte pour la 13e fois. La fin du live, Sam est ruinée. Mais... Pourquoi t'es méchant, Adèle, ce soir? Qu'est-ce qui t'arrive, Adèle? Qui t'a blessé? Qui t'a fait du mal? Est-ce que tu voulais peut-être, tu vois, manger quelque chose? Ta mère a refusé de te le cuisiner. Est-ce que tu voulais un cadeau? Ta copine a dit non ou ton copain a dit non? Dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Que nouveau ce mépris et cette méchanceté ce soir? Je ne comprends pas. Je demande des réponses. J'ai auto-censuré ma remarque. Alors, en même temps, c'est vrai que j'ai une armure à chier. Hein. Me direz-vous? Bah, j'ai rien. En même temps, oui, je suis encore pauvre en équipement, hein, donc on n'a pas le choix. On doit subir notre pauvreté. Monsieur, j'ai pas l'intention de vous tuer. Je veux retourner à la zone où j'étais. Et pour ceci, je cours. Alors, je sais plus quelle est la bonne porte. Je ne sais plus. Mais ce chevalier banni là, il s'est révélé vraiment très utile. Je pense que quelqu'un va venir m'attaquer dans le dos. Est-ce qu'il va se sentir de venir jusqu'au bout? Mais on dirait bien. Quelle lâche. Quelle misère. Quoi, tu t'es donné cette peine, Jean-Édouard? Voyons. Ok. On est reparti. C'est bon, on est dans la cour. We are good. On a perdu nos runes, par contre, parce que c'est toujours plus drôle. On les tue tous. Attrapez-les tous. Attrapez-les tous. Pokémon. J'ai un abonné de la chaîne qui m'a demandé de streamer Stellar Blade. Mais qui c'est qui est en train de s'exciter sur moi comme ça? Perso, c'est pas. J'ai pas fait la démo. Vous avez fait la démo, vous ou pas? Ça, je suis pas inspirée. C'est le design des personnages qui m'inspire pas. Mais. Ouais, je suis pas inspirée. Mais je veux bien tester la démo. Maintenant, est-ce qu'on fait la démo en live? Je sais pas trop. Est-ce que ça vaut le coup de la faire en live? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai l'impression que maintenant, ça y est, c'est une old news, quoi. Tout le monde l'a faite. Tout le monde l'a faite, donc je sais pas si vraiment... Il n'y a pas un tableau ici? Est-ce que je le connais, mon Elden Ring, ou pas? Ne disparais pas! Ne disparais pas! Viens, 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 on a besoin de toi encore. Viens! Mais je voudrais bien le... Ah, mais attendez, je peux le fronder. Mais putain, est-ce que quelqu'un me dirait... Sam, t'as de la magie. Putain, j'avais pas vu le yinche. Non, mais tu te fous de ma gueule. Non, c'est pas possible. La magie, c'est vraiment pas mon truc. Il fait rire ton casque. Mon casque? Ah non, le casque que j'ai in-game. Je suis d'accord, Brandon. Tu devrais activer l'ascenseur dans la salle à manger après les cuisines, juste derrière le greffé. Il est activé, Romain. Putain, Romain, oui, c'est activé, mais... Romain, toi, t'es pas venu pour rien ce soir. Romain. Romain.
Voilà, merci, merci Romain, merci à tous dans le chat de remercier Romain. Voilà. La démo, j'ai adoré, d'accord. On m'a dit qu'il y avait un petit air de Souls, hein, Malenia. Alors, est-ce que tu me le confirmes? Est-ce que tu as senti cet air de Souls? Est-ce que c'est le cas? Tu pourrais aimer les combats de boss du jeu, Stellar Blade. Ok, dada. Le gameplay a l'air pas trop mal. Plus Souls-like que Devil May Cry-like. Ok. Bon, faut que je fasse la démo. Faut que je fasse la démo. Maintenant, la question, c'est est-ce que la démo, je la fais en live ou pas? This is the question. Attendez, c'est par où la sortie? Attendez, parce que je suis perdue. Je suis perdue. Dès qu'on ne me met pas dans le même sens, mon cerveau s'inverse. Tout se brise à l'intérieur, c'est pas là. Hein. Les rares compétences d'orientation que j'avais disparaissent. C'est pas par là, c'est par là. Ok, c'est à côté du tableau. Très bien. Très bien. Ok. This is it. Here we are. Allez, va. Va, mon bel ami. Va et pourfends de ton épée nos ennemis. Ouh. J'ai pris une fiole céruléenne encore. C'est quand même pas possible. En fait, lui, il se lance dans la bataille, mais il tue personne. Si vous regardez bien, il faudrait que j'aille le monter, quoi. Mais non, mais je vais pas le monter. Détendez votre string en poil de chaussette. Merci beaucoup. Il est où, Finlay? C'est pas Finlay. Comment il s'appelle, celui-là? Engval? Engval. Alors. Je suis allée devant lui. Je suis ouf. Ok. Donc ouais, Stellar Blade. Stellar Blade qui sort le mois prochain si je dis pas de bêtises. Mais il sort... Mais non, mais il sort fin avril. C'est ça, il sort fin avril le jeu. Une découverte en live, c'est toujours sympa. Ok, Maletti. Il y a une démo, je suis à la rue en ce moment. Oui, Greg, il y a une démo de ce jeu-là. Moi, j'adore quand les jeux sortent avec des démos. Vraiment, c'est hyper, hyper, hyper respectueux des joueurs, je trouve. Vous savez quoi? On va canasser le chien. Ça n'aura servi à rien. Putain, mec. Arrêtez de bouger! Il va me tuer. Non, mais... Non, mais non, mais non. Mais non, mais non. S'il vous plaît, non. Non. Attends. Il est où, Finlay? Il est pas mort. Attends, je vais aller récupérer mes runes. Excusez-moi, je fais le tour. T'as kiffé Stellar Blade, mon Playmo? Il est où, mon Finlay? Quelqu'un a-t-il vu mon Finlay? Ah oui, il est là-bas. On va déjà te tuer, toi, tout seul. Voilà. Bon, Finlay est mort. Il reste lui et moi. Moi et lui. Qui vaincra? Qui mourra? Ah! Ouh, quand même, c'est pas un réprouvé sans corne qui allait nous tenir tête. Incroyable. Oh, puis regardez le site de grâce, c'était juste là. J'aurais pu y aller 50 fois. Ok, good to know. That is very good to know. Salut mon Marvin, comment tu vas? Bienvenue. C'est pas une exclusivité PlayStation? Stellar Blade, ça me semble? Me trompe-je? Vous me direz. Il me semble que c'est une exclu. Play. J'adore le principe des démos. Ça me rappelle les démos qu'on avait sur PS1. Mais oui, mais puis c'est génial, puisqu'à 80 balles le jeu, Maletti, t'es quand même contente de tester, quoi. Je l'achèterai pas, mais il est sympa. Ah, tu l'achèteras pas. Même s'il baisse le prix. Parce que moi, 80 balles, maintenant, j'en ai marre, en fait, de payer des jeux 80 balles sur lesquels je suis pas sûre. Autant Elden Ring, 430 euros, ça me choque pas. Autant le reste, si. Autant le reste, 80 balles, non, c'est trop. Ouais, c'est bien exclu. Ok. Me fous pas le seum, je voulais me le prendre sur PC. T'es qu'un joueur PC? Mais quelle idée en même temps. Qui est joueur PC, Lucas?
Je te dis ça alors que j'ai l'intention d'acheter un PC. Excuse Sony, par contre, il y a bien longtemps qu'il avait été annoncé également pour PC. Ah, ok. Bon, on n'a pas fait tout ce qu'on est censé faire dans ce magnifique château, hein. Je veux dire, on n'est pas passé sur les toits. Il y a pas mal d'objets à récupérer en haut. Mais est-ce qu'on n'a pas envie d'aller tâter du Godric en vrai? Est-ce qu'on n'en est pas là? Juste en face, en plus de la geôle. De la géole. De Godric. Je sais pas pourquoi ils nous attaquent les pots en vrai, sérieux. On vous a rien fait, messieurs, dames. Puis ils sont tellement mignons, je vais y retourner à Jarbourg, messieurs, dames. C'est fou. Là aussi, on peut monter en haut, récupérer le petit objet. Let's go. Bon bah ça y est, on est au boss. Sam, ça te tente pas le GeForce Now? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est le GeForce Now? Joue à Alan Wake 2. Bah déjà que j'ai pas fait Alan Wake 1, tu te doutes bien que je vais pas faire le 2. J'ai pas le temps de jouer à d'autres jeux, moi je joue à Elden Ring, si vous avez pas compris. Je fais du mieux que je peux. Alors, on avait le serment doré? Oui, on a le serment doré. Alors, on va se... Je sais pas si c'est utile en fait de se truquer avant de rentrer dans un fight quand il y a une cinématique. Donc on ne passe pas la cinématique pour Letty, pour que Letty découvre le lore. Donc Godric est un membre éloigné de la famille royale. Donc il a un peu de sang royal des dieux, mais de très très loin, très dilué. Et il essaye de retrouver sa force via la greffe. On se rappelle surtout de lui pour sa défaite face à Malenia, où il s'est enfui en se cachant grâce à un voile mimétique et il est venu se réfugier au château de Vol'Orage. Et il s'est proclamé roi de Nécrolimbe. Voilà. Letty de rien. Donc voilà, il ne sert à rien. Ouais, mais Nico, est-ce qu'il sait tous les utiliser? Là est la question. C'est rare aujourd'hui d'avoir des jeux avec des démos tellement adelles et pourtant. Est-ce que du coup j'ai perdu mon serment doré là, vous croyez ou pas? Le son du jeu est pas trop bas pour vous? Le lâche, il a fui Letty face à Malenia. Espèce de nullos. Alors. Ouh. De chance. Ouch. Faut déjà que je reprenne une fiole. Faut pas sauter lui. Ah, j'ai ma fiole cérulienne, j'ai pas prise. Est-ce qu'il y en a un de vous qui m'aurait dit ça me prend ta fiole? Non, aucun. Vous me laisseriez crever quoi. Mauvais timing. Ah, je savais que c'était un double en plus. It's been a long time, my dear friend Godric. C'était le petit coup pour la fin. Ok. P2. Salut mon petit Amine! Comment tu vas? Bienvenue, bienvenue! Il y a des livres sur le lore parce que le jeu est à voir en info. Non, il n'y a pas de livre sur le lore. Il y a des gens qui en parlent. Sur le wiki, t'as un wiki par contre. Je passe pas à la cinématique, ça me fait plaisir que Letty découvre quand même le jeu. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait mais what the fuck, c'est quoi ce jeu? GeForce Now, c'est excellent Sam, je te conseille plutôt que d'acheter un PC. Mais vous m'expliquez pas ce que c'est quoi GeForce Now? Ça se trouve, vous me l'avez expliqué plus haut et je l'ai pas vu. Alors. Bon. Wouhou! Tête de dragon sitôt. Allez. Laisse-moi le temps juste de me soigner. J'ai roulé. Ouh! Non, il va me tuer!
tuer, il va me tuer. Oh non, j'aurais dû me soigner, j'avais encore 3 fioles en plus. On était tellement bien partis, j'aurais pu faire un first try. Mais ça me fait plaisir, Maléti, c'est... Ça me tient à cœur que tu découvres le jeu. Oui, voilà, voilà, dis-le à tout le monde, t'en es à ta 7e run d'Elden Ring et c'est la première fois que tu vois les cinématiques. Madame, vous n'avez honte de rien. C'est quoi ce truc que j'ai pas pris, le scarabée, là? Scoozy, qui êtes-vous? Ne fuyez pas, ne fuyez pas. Attendez-moi. Voilà, super, c'est pour une cendre de guerre qu'on n'utilisera jamais, mais ça fait toujours plaisir. Sam veut aussi profiter du PC pour installer des mods, absolument. Et GeForce Now, c'est sympa, mais pas si pratique. De toute façon, tout ce qui va être... tout ce qui va être des trucs complexes, non, non, moi, il me faut un PC tout simple à utiliser. Rien de... Ah, mais j'aurais pu taper à la magie, les copains. J'ai pas pensé. En P2. Mais, ouais, bah, non, il me faut un truc facile à utiliser. Non, pas qu'un PC, ça va être facile, mais je veux dire, voilà. Ouch, j'ai roulé beaucoup trop tôt. Oh. La reine du grid. Toujours taper plus. Et plus encore. J'ai le temps de me soigner? Oui. Est-ce que je reprends pas une fiole maintenant qu'il est loin? Peut-être. Allez, P2. Non? Si. Merci Maletti, merci beaucoup. J'ai streamé 4 fois Elden Ring sans jamais faire Malenia, Mog en live. Bah, pourquoi tu les as pas fait? Quelle idée? Quelle idée? Ça sera à faire. Ces petits loulous. Je veux dire Malenia, quoi. Oh putain, attends, faut que je sois prudente. Ouh, non, ça va. Il était long. Merde, j'aurais pu aller taper. Oh, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Est-ce que je suis trop loin? Non. J'ai quand même pris le temps de prendre une fiole, quoi. Dépêche-la, dépêche-la, dépêche-la! Sonne-toi! Tap, 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 tap! Ah, meurs pas maintenant, pitié, pitié. Meurs pas quand il lui reste un PV, quoi. Ça serait moche. Ouf, ça va. Second try. Ça va. Ça va. Oh! Attention, Sam, derrière toi, c'est affreux! Eh, second try. Yay! Yeah! Yeah! Ouais! Une rune majeure, un demi-dieu abattu, un JJ. Merci pour les JJ. Bah c'est cool. Déjà un. Plus que 50 boss. Non, il y a combien de boss dans le jeu? Il y en a 137, je crois, au total. 137 boss, vous imaginez? 137 boss, c'est quand même pas ouf. Merci pour les GG. 165. Ah, mon Xou, mon Xou. Moi, j'adore tellement te regarder quand tu streams Elden Ring, si tu savais. Le bonheur que ça m'apporte de lancer tes streams Elden Ring, ça me... Et quand je te vois, tu sais, être saoulée. Quand tu dis, off, j'avais oublié que c'était aussi long. Merci beaucoup, merci. 165, Dada. Ouais. Je pensais que c'était 137. Bon, alors il n'y aura pas Néphélilou parce que je n'ai pas fait sa quête et je déteste Néphélilou. Donc voilà, je n'aime pas cette dame. Je préfère vous le dire, tout simplement, heureusement qu'il y a Findus. Et ben voilà, on peut aller taper maintenant Renala. Par contre, j'aurais peut-être pu prendre des niveaux quand même. Bon, je vais pouvoir en prendre qu'un, tu rigoles. Zenoul, je vais pouvoir en prendre qu'un. Merci Malenia, merci beaucoup, merci à tous. Merci, merci. Alors, c'est dire que le build de Plémo est bon si moi j'arrive à passer des boss second try sans larmes, sans rien. Saluons notre chère amie. J'allais dire Irina, mais c'est pas Irina. Hello, my name is Hayata.
C'est Yeta. En même temps, elles s'appellent toutes un peu pareil, ces meufs-là. Elles se ressemblent toutes. Je l'ai pas ramassé, il y en avait un derrière. Je l'ai pas ramassé, désolée. Désolée, mademoiselle. Va récupérer des armures, mais c'est-à-dire, va récupérer. C'est-à-dire, mets encore mes aïeux. Alors du coup, je monte. Il m'a dit tout à l'heure, mon plémo, c'était la dex hein, et l'intelligence. Donc on va se monter un peu la dex, que je nous trouve faible en termes de... de coups. Alors. Voilà. On se reprend un petit level. En dex. Voilà, voilà. Ok, ok. Bah écoutez, on va aller taper Rinala. Hein. Je pense qu'on en est là. On en est là. C'est une vendeuse, tu l'as. Mais elle vend rien. Vous l'avez déjà tuée, elle? Je l'ai jamais tuée. Oh, fail. Fail. C'est vraiment que la vie ne veut pas qu'elle meure. Regardez. C'est fou. Et voilà, elle est morte. Et qu'est-ce qu'elle lâche? Pierre de flamme exaltée. Mais j'ai jamais eu cet objet. Vous avez déjà eu une pierre de flamme exaltée? Qu'est-ce que c'est? Elle est là. Consomme des PC pour soigner en continu les adeptes du chaos. Consomme des PC nanana, suscite la démence chez quiconque n'a pas adopté la flamme. Prenez garde à ne pas confondre ceci avec une autre pierre bien plus bénéfique. Ok. Ok, donc bon à savoir. Oui, elle, c'est celle qui mange les fruits de Chabriri, c'est des yeux, ouais, effectivement. C'est ton arme, ce katana? Moi, j'ai tellement pas l'habitude, honnêtement, de... Non, non, on prank pas, Marine, mais on compte tous les boss, tu sais, qui sont dans les catacombes, etc. J'ai pas du tout l'habitude de son moveset. Par contre, tiens, puisqu'on est là, on va aller donner à Tops la clé de l'université qu'on a trouvée, qui nous sert pas, en absolu. Je sais pas c'est quoi cette quête stupide qu'il a où il meurt dès qu'il arrive dans l'université, quand même. C'est quand même cool. En plus, il nous demande un don. Je veux dire, 10 runes. Est-ce qu'il sait que chaque rune compte pour prendre des levels? Non. Il s'en rend pas compte. Ah, mais attendez, c'est lui qui va nous apprendre la magie de pierre d'éclat, parce que je vous disais, la fronde, c'est un petit peu lourd. C'est un peu long. Attends, je crois qu'il peut nous apprendre des trucs. Pff, en vrai, je m'en fous de l'histoire de Sélène, pardon. Enfin, Letty, elle doit pas savoir qui est Sélène. C'est une sorcière qui a été bannie de l'académie, Letty. Étudier la sorcellerie. Bah voilà, flèche de pierre d'éclat, ça c'est bien, c'est propre. Lumière stellaire. Non. Projette un ample arc magique. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Ok, ok. Donnez la clé. Vraiment, je comprends pas son histoire à lui. Vraiment, ça me... Non seulement on lui a donné de l'argent, mais on lui donne la clé qu'il voulait. Je veux dire, on est d'une générosité. Passerez-vous me rendre visite? Ok. Ça, c'est fait. Eh bien, écoutez, Rinala, je suis ravie. Hein. Je suis absolument ravie d'aller taper Rinala. Que je trouve un peu chaude. Depuis où on démarre pour la taper? C'est depuis le salon du débat. Hein. Le salon du truc. Famous last word. Adieu le chat. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, c'est l'épisode 4 et tu es pas à la cime des géants? Est-ce que quelqu'un peut ban Exerve de cette chaîne? Excusez-moi, monsieur, de pas être aussi rapide que vous. Hein? Voilà. Pardon. De prendre mon temps et d'apprécier ce que je vois, contrairement à vous. Il est pas croyable. Mais parce que quand j'étais chez lui, on regardait en fait nos stats de jeu, puis on regardait le Elden Ring sur son PC. Et puis là, je vois ses runs, et puis je lui fais... Mais attends, je comprends pas, je fais ta run, elle dure 40 heures. Je lui fais, t'es en mid-game, t'en es où? Il me dit, bah non, il me fait, c'est des runs complètes. Je fais des runs complètes, c'est-à-dire, t'as pas fait tous les boss, enfin, je veux dire, t'as pas fait Malenia et tout. Bah si. Ah, en 40 heures, t'arrives à traverser l'entretien entière en tapassant Malenia? Ok.
Moi, il me faut à peu près 120 heures pour ça. Et les modos, Sam, c'est mort, putain, on est dans la merde. On va devoir subir ces attaques. Monsieur, allez donc attaquer les boss que vous avez refusé de faire. En plus, je suis hyper frustrée parce que t'as battu le géant de feu, ce me semble. Il me semble qu'il est tombé. Et moi, ce que j'adore, mon combat que j'adore vraiment dans ce jeu, c'est Radagon. Radagon. Et du coup, tu le fais pas. Et du coup, ça me frustre, quoi, de pas devoir faire ce fight-là. Tu vois, c'était la fin. C'était la fin. Eh ben, on y va sans se buffer parce que la P1, elle sert à rien. Moi, je dis. Je veux bien, tu vois, ne pas devoir faire Malenia, mais j'ai envie de te voir faire Radagon. Et tu refuses, tu vois, de me faire ce plaisir-là. Non, mais mourez, s'il vous plaît, parce que là, c'est pas deux coups par tête. Alors. Non, il va m'exploser à la gueule. Regardez, regardez. C'est mon mari. C'est Radagon. La pauvre, elle avait même des portraits de lui partout, des sculptures. Il lui a brisé le cœur. Mais ils viennent de loin derrière, là. Ok, deux. Où est le troisième? Où est le troisième? Scusi. Scusi. Ah, voilà. Le voilà. Super, on adore les fails. Toujours un plaisir. Non, arrête de loquer n'importe quoi. Mais arrête de loquer n'importe quoi. Merci. Allez, c'est parti. Non, je vais me prendre le coup. Je vais me prendre le coup. Putain, mais à chaque fois, je mets le coup de trop. Il n'y en a aucun d'entre vous dans le chat pour me dire « Sam, ne met pas le coup de trop ». Alors, où sont... Waouh, on a failli se le prendre sur la tête. On a ça. Ça aurait été moche. Où est-ce qu'ils sont? Là-bas. We got one, let's go. Alors. Moi, vraiment, je vois pas de meilleur jeu que celui-là sur cette planète Terre. Y a pas. Y'a... Je sais pas. Il y a des jeux sympas, mais rien ne vaut Elden Ring, quoi. Rien. Rien sur cette terre ne vaut Elden Ring. Mais lâche! Mais putain! Il a pas voulu taper! Non, mais il a pas voulu taper! Oh non, on va devoir se taper une troisième fois. Non, puis en plus, je vais me prendre le coup. Putain, c'est pas vrai. Je mets toujours le coup. Merci de me l'avoir dit, quand même. Merci. Merci, Zorkan. Toi, au moins, t'es un pote. Parce que Xerv il se moque, mais est-ce qu'il me l'a dit, lui, dans le chat, de pas le faire? Hein? Non! Je suis sûre que non. Allez. La troisième est la bonne. Il nous reste 4 fioles. Est-ce que vous croyez qu'on va la passer, Rinala? Parce qu'elle est chaude, hein. Moi, je la trouve chaude, hein, cette meuf. Ah, pas dans le sens où vous l'entendez, bande de pervers. Non, mais... En plus, c'est surtout que ça, vous voyez, ça lock n'importe comment. Ça m'énerve! Non, il n'y a pas d'enfant. Alors, où est le dernier? Où sont les bouquins? Qui m'attaque avec des livres? Il n'y a pas d'attaque de livres, là. C'est bizarre. Putain, et les chandeliers? Ah, là. Les chandeliers! Ok, laissez-moi les taper, maman. Putain, c'est dégueulasse, quoi. Vas-y, vise la bonne. Vas-y, c'est parti, hein, c'est parti pour le show. Si on te parle pendant le combat, tu vas dire qu'on t'a déconcentré. Moi, jamais, Ellie. Ça, c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi. À quel moment je vous ai jamais... Non, mais... Honteux. Salut, Olivier, comment ça va? Radagon l'a largué en lui laissant la garde de 100 enfants en tenue d'écolier. Oh, moi, je serais partie. Hein. Je les aurais déposés à une SPA. Et grand bien leur fasse. Je crois que les attaques magiques ne servent à rien contre elle. Non. Excusez-moi.
Salut Ekimos, mais tout à l'heure on avait mieux fighté que ça. Ah. Ça c'était un petit peu chiant, on va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est un peu relou. Je suis pas sûre de la passer seule, hein. Oh, on est 101, merci beaucoup. 100 personnes sur une chaîne à 3000 abonnés, je vous jure que c'est énorme, hein, sur un live. Arigato tout le monde. Arigato. Je vous prends en photo, vous serez mon post Instagram de demain. Ta-da-da. Bonne nuit mon petit sœur, bonne nuit, dors bien. Merci beaucoup. Merci, merci, à demain. Moi aussi, il faut pas que je stream trop tard, hein, parce que demain on taffe, hein, je veux dire, c'est pas... On n'est plus en week-end. Ce n'est plus la plaisanterie et la rigolade. L'heure de la galijade est terminée. L'heure de la galijade est terminée. Va prendre l'armure de Caria dans l'académie. Protection magie un minimum. Elle est où cette armure? Elle est où cette armure, Nico? Parce que c'est intéressant, ça. Merci, ma modette. Merci beaucoup. Mais c'est intéressant. J'aurais dû me renvoyer l'ascenseur. C'était quoi cet excès de confiance de croire qu'on allait la battre en... Sam, de mauvaise foi? Non, voilà, Seven, il me connaît. Seven, il sait. J'ai jamais été de mauvaise foi sur cette chaîne. Jamais. Tellement plaisant le build d'Exerve NG plus 1. Bouclier des empreintes et le stuff du dueliste putréfié. Il porte le stuff du dueliste? Ah bon? Tu me l'apprends là, Ekimos. J'avais pas fait gaffe à ça... À sa fashion tenue. Bon, alors la paix, elle me saoule. Faut aller la chercher, c'est avant le loup cramoisi. Alors, avant le loup, dans les couloirs? Bonne nuit, ma petite Hello. Merci beaucoup. Merci, je te souhaite une très bonne nuit. Repose-toi bien, surtout. Je te fais un très gros bisou. Hein, et c'est reparti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Ils sont chiants à repérer, les gars, là. Il nous jette des livres à la gueule pour qu'on le sache, mais bon. Voilà. Oh, mes runes. Alors, où est le suivant? Là. C'est bien déjà quand on arrive à les repérer vite, c'est déjà une bonne chose. Deux. J'ai trop peur qu'un chandelier me retombe à nouveau sur la tête. Oh, quand le lock se met sur quelqu'un, mais putain, qu'est-ce que c'est énervant au possible, quand vous avez pas envie que ça loque. Allez, lâche maman. Lâche maman. Et je recule, je recule. Eh, eh. On grandit, on apprend. Soyons fiers. Soyons fiers. Alors, qui sont les trois petits cochons? Est-ce qu'on voit des petits cochons de là? Eux, je les aime pas, là. Eux qui ont la flamme violette, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas s'ils sont dans la team de Sainte Trina, qu'on va bientôt rencontrer. Sainte Trina. Sainte Trina. Es-tu ou non, Michaela? Et si tu es Michaela, est-ce que tu aimes le Nutella? Alors. Là. Dos, un, dos, tres. Ta 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 Maria. Alors, où est le troisième? Donde está el numéro tres? Donde está? Parce que là, je ne le vois pas. Ah! Le voilà. Nous l'avons retrouvé. Voilà. Vite, laissez-moi aller voir sa mère. Oh, j'adore ce... Putain, en plus, ils sont tous autour d'elle, elle est inatteignable. Je suis vénère, faut le faire trois fois. Oh non, je vais me prendre le coup. Oh non, ça va. Ça va. Ça va. Super, je l'ai même pas tué, mais les autres balançaient du feu, j'ai eu peur, je me suis enfuie. Voilà. C'est très très glauque, hein, l'histoire de ces gamins-là, qu'elle réveille à chaque fois. Hein. Qui meurent et qui renaissent, je crois. Il y a une histoire comme ça. Ils sont où? Mais là, j'en vois aucun. Est-ce qu'il y a un livre qui se dirige vers moi? Là-bas, là-bas. On the other side of the world. Ok. Mais c'est une... C'était... On est sérieux, là?
On s'est cru chez mamie. Alors, un. J'ai pas aimé comment tu m'as regardé, toi. Ils sont où, sérieusement? Ouh, deux. Ok. Il nous en manque un. Et je pense pas en plus qu'on la termine, hein. Ah, le voilà. Je suis même pas sûre qu'on la termine. Voilà. On va essayer, mais je suis vraiment pas sûre. C'est bon. On l'a fait saigner. Elle a saigné. Mais duele la cabeza. Salut Yoni, faut vraiment que je le fasse ce jeu. Putain, j'envie tellement les gens qui l'ont pas fait. Je vous envie du fond du cœur. Tape-les juste une fois, Sam. Oui, mais la barre de vie était pas terminée. Oh, my beloved. Quel jeu. Il se fout de moi. Non mais j'aimerais tellement redécouvrir Elden Ring avec des yeux nouveaux. Mais bon, c'est pas grave, on va redécouvrir déjà... on va redécouvrir le DLC. Ce sera déjà... Oh, ouh, ouh. Madame, vous êtes dans la violence. Bon, qui veut faire de la coop avec moi pour la passer, cette chinoise? Après, on n'est pas obligé de la tuer. On peut aller au plateau à le tuer sans la tuer. Mais on va avoir un dragon dogma. Et je sais que j'ai dit dragon dogma à tuer. L'Oscar pour Sam qui sanglote. Ah, ok. Et oui. J'aimerais tellement revivre ma première fois. Alors, attendez. Où est l'armure? Parce que vous m'avez dit, c'est avant la salle du loup de Radagon. D'ailleurs, ce n'est pas un loup cramoisi, celui-là. C'est un loup de Radagon. Donc, déjà, arrêtez de l'insulter. Donc, où est cette armure? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ah bah, dada, si t'es dispo. Ma foi, allume ta PS5. Allume donc ta PS5, mon ami. On va aller défoncer la... Ouh, comète. Oui, mais c'est pas la comète azur. La comète azur, on la récupère... avec l'autre monsieur. Avec justement le magicien azur au mont Gelmir. Letty, elle doit pas savoir qui s'appelle Azur, le magicien azur. Letty, tu découvres le lore, est-ce que ça te plaît? C'est ce qu'on a envie de savoir. En même temps, je viens là, je sais même pas si c'est là votre armure. Hein. Je vais au pif, parce que vous m'avez dit qu'il y avait une armure quelque part. Mais pour le moment, ça sent un peu le mytho, votre truc. Hein. Je veux pas dire. Ah, Kazuya, les vidéos d'Exo nous ont tous sauvés. Au niveau des roues. Ah, je suis en zone ennemie, là. Oh ah, non. Salut Thierry. Au niveau des roues, quelles roues? Y a-t-il des roues? En sortant d'ici, des roues, c'est-à-dire des roues qui tournent? Des roues, c'est-à-dire... C'est-à-dire, mes enfants, mes aïeux. J'ai le droit d'être 100% honnête ou tu vas me ban? Dis-moi pas que toutes les histoires que je te raconte depuis tout à l'heure sur le jeu, ça t'intéresse pas, c'est ça? Vas-y, non mais sois honnête, sois toi-même. Venez comme vous êtes, c'est McDo ici. Hein. Vers les roues. Quelles roues? Est-ce que vous voyez... roues? Des roues. On est d'accord, mon dada. Ils m'ont pris en sandwich. J'y voulais pas. Salut Bertrand. Selon Jeff Gruff, un PlayStation Showcase prévu pour mai... Et Silent Hill 2 et Ghost of Tsushima 2 sera présenté, on croise les doigts. Bah, y a beaucoup de conditionnels quand même. Beaucoup. Salut Monico, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à mettre un pouce, hein, les copains qui arrivent sur la vidéo. Et à vous abonner si vous ne connaissiez pas. Non, en vrai, j'avoue que j'aime bien. Ah, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Mais je suis sûre aussi que t'aimes Maliti parce que t'aimes la façon dont je le raconte. Non mais il n'y a pas de... Vous vous foutez de ma gueule, il n'y a pas de... Je sais pas où est-ce que vous avez vu une armure en fait. Parce que depuis tout à l'heure, tous ceux qui m'ont vendu... Il y a une armure à aller récupérer. Là, il n'y en a aucun d'entre vous qui est en train de parler pour me dire où est cette armure.
Donc votre foutage de gueule, ça va 2 minutes quoi. Ça va 2 minutes. Y a pas, hein. Excusez-moi, mais y a pas. Je sais pas où est-ce que vous avez vu ça. La grande roue peut-être. J'avais pas 1000 pouces. Ça mérite un ban. Dans le cimetière. Non mais dans le cimetière, faut qu'on reparte loin là. Et puis où dans le cimetière? C'est un peu large comme information dans le cimetière. Où il y a les roues. Mais t'es en train de dire où il y a le mécanisme, le grand ascenseur? C'est ça que tu appelles les roues? Parce que vraiment, les roues, je vois pas... Je pense que les roues, ça parle de la partie avec les plateformes. Donc les plateformes, Romain. Moi aussi, c'est comme ça que je le comprends. Bertrand, je vais la faire, mais je sais pas si je la ferai en live. Je sais pas si vous avez l'envie de la voir en live. Salut Karim, il n'y a pas d'armure ici. Moi aussi, si Karim, tu sais, où est-ce que je crois qu'il y en a une? C'est pas quand tu descends tout en bas vers la Vierge de Fer. Tu sais, il y a un petit monticule avec une petite maisonnette. Je me demande si là devant, il n'y a pas une armure. Est-ce que ce serait pas ça? Est-ce que ce serait pas ça? Écoutez, on va pas mourir idiot. On va pas mourir idiot parce que c'est pas dans notre nature. Nous, on est des gens intelligents. Du moins, on essaie de s'en persuader. Chaque jour que Dieu fait, on essaie de prendre les bonnes décisions. Et la décision du jour, c'est d'aller voir une Vierge de Fer qui va nous défoncer pour essayer de récupérer une armure. Voilà. Tu dois te laisser tomber sur les... côté des roues. Pourquoi vous appelez ça des roues? C'est un mécanisme d'ascenseur. Pourquoi vous appelez ça des roues? Mais tu ne dois pas te laisser tomber jusqu'en bas. Sonanda. J'ai même pas envie de te finir. J'ai pas... Oh! Un chien de Tinder qui nous follow. C'est-à-dire, Letty. Letty. C'est-à-dire, je dois me laisser tomber. Letty, elle est en train de me dire en message privé... Tu te laisses tomber, mais pas là où tu crois. Oh, là, il y avait un objet, c'était quoi? Ouh! Ouh! Là? Je sais pas, hein. Peut-être pas, hein. Peut-être même pas du tout. Attendez, on revient. Je sais pas s'il y a un autre... Ah, mais si, en face. Ah non, si. Il y avait pas un truc en face? Oh putain, j'ai peur de pas regarder du bon côté. Non? Si, là. Voilà, là. On peut descendre. J'espère que c'est là hein, que vous vouliez que j'aille. J'espère que c'est là. Du coup, parce que c'est pas en bas vers... vers la Vierge de Fer. Mon Dieu, j'ai eu trop peur. Donc ici, a priori... Oui, je cherche l'armure de Caria Simon, absolument. Non, en bas. Bah, tout... en bas, tout en bas ou pas? Soyez précis, chers amis. Vous n'avez pas le vocal, en fait, pour me parler. Aussi, dois-je me contenter de lire vos messages? Faites-les les plus précis possibles. Sinon, comment voulez-vous que Maman Sam trouve son chemin? Déjà que j'ai pas le sens de l'orientation. Salut Otaku Game, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Est-ce que c'est là? Déjà, personne m'a dit. Elle était en haut sur un côté devant une tombe. C'est en hauteur. Va à droite. Ils vont me rendre chèvre. Ouh! Super, je me suis fait défoncer la race. Oh! C'est beau. C'est beau. On va mourir là. On va mourir là bêtement. Câliné par des morts en plus. Et des non-morts. Oh, des cendres de soldats. Ben voilà, déjà, c'est pas... on n'est pas venu pour rien. Donc quoi, là, je descends, je remonte. Faut que j'aille remonter. Vous voulez que je remonte, hein. Vous avez dit, tu remontes. Je ne stream pas sur Twitch. Non, je ne stream pas du tout sur Twitch. Pas du tout. Qui t'a donné cette fausse information? Qui est le traître? Dis-nous qu'on banne. Non, non, je stream sur YouTube, tout le temps. Tu vas mourir bêtement. Alors ça, encore une fois, c'est dire quelque chose que l'on savait tous, mais merci de l'avoir dit. Donc voilà, je suis revenue au point de départ. Êtes-vous pas heureux et satisfait? Je suis au point de départ. Donc je reprends le truc, parce que vous avez dit, tu montes. Tout en haut, en tout cas. Donc ici, parce qu'on ne peut pas monter plus haut. Il n'y a pas plus haut. Donc là, c'est là où Tops est mort. Perle cinéraire, bâton d'éclat, champ de force de Tops. Est-ce que c'est ici? Non, non. Après le pont en bois, il y a l'église.
Dieu donne-moi la patience d'écouter ces gens qui me disent n'importe quoi. Non, elle est sur le chemin. Après le pont en bois, il y a l'église. Bon, vous voulez que je traverse alors? Là, je traverse. C'est ça? Bah non, là, j'arrive là. Bah non, non, c'est pas là. Donc, je dois redescendre. Je redescends. On est d'accord. Je redescends. Est-ce qu'on est d'accord? Mais d'où? Je me suis fait cramer par toi. Mais quelle honte. C'est à côté du mont Guelmir. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Il faut repartir du site d'avant. Bon. Attendez, je repars du... Je suis là. À la classe. On est dans la salle de classe. Vous m'avez dit c'est du côté cimetière. Donc c'est forcément de ce côté-là. Faut pas prendre l'ascenseur, je suis ok avec David. Mais on est d'accord que c'est côté cimetière quand même. Sans prendre l'ascenseur. Bah oui, du coup je suis trop haut là, faut que je redescende. On va y arriver, moi je suis sûre, hein, je crois en nous, j'adore justement ce genre de moment dans les lives. Je ne connais pas le jeu, mais normalement c'est dans les zones inaccessibles, pas dans des lieux évidents. Moi j'ai l'impression que c'est tout en bas. Hein. Tu vas dans la zone où il y a toutes les tombes. Est-ce que t'as tué l'orphelin de Kos? J'ai déjà tué l'homme à la côtelette. Ce Kosnar est mort, pas dans la partie YouTube par contre. Je repars de l'église du coucou je pense. À côté de l'église, tu dois descendre où il y a trois squelettes qui prient. Nous sommes à l'église. Je sors de l'église, côté cimetière. Merci Sony, parce que je te jure que c'est pas facile. Alors, on cherche trois petits cochons qui prient. C'était un très beau, une très belle esquive de Sam là que vous avez eue. Donc, est-ce qu'éventuellement ce serait ici? Où est-ce qu'on va trouver des gens qui prient? Là, il n'y avait rien. Je me suis faite mordre par votre faute. Et puis moi, je regarde le chat, c'est alors que je suis entourée d'ennemis. Donc, dans tous les cas, c'est pas là. Je vais juste le tuer pour pas qu'il vienne me câliner de dos. Donc, les mobs sont en train de prier. Eh ben, écoute, on va les chercher. Il prie quel dieu? Moi c'est ça que je demande par contre. Parlons peu mais parlons bien. Il prie quel dieu? Ce sont des non-morts. Est-ce qu'il prie Godwin? Je sais pas. C'est leur dieu, c'est le numéro 1 des non-morts. Sinon qui prie-t-il? Marika pour avoir enfermé la rune de la mort et du coup les empêcher les pauvres de se décomposer et les maintenir dans cet état de non-vie en entre-terre. Je traverse le pont, tout à l'heure vous avez parlé du pont. Là où il y a les tombes, tu te laisses tomber. Putain, là où il y a les tombes, tu te laisses tomber. Ça a l'air d'être juste une mauvaise blague. Attends, j'attends que vous me disiez. Elle cherchait ce pack. Sur le côté droit, il prie Malenia. Oh, c'est beau. C'est beau, Maléti. Donc, c'est pas... On est d'accord, je traverse le pont. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que je traverse le pont, s'il vous plaît? Le temps que je tue les 25 mobs qui sont apparus... Est-ce que vous pouvez me confirmer si oui ou non je traverse le pont? Je sais pas comment j'ai fait ces esquives multiples, mais de toute évidence... Waouh, waouh! Est-ce que je traverse le pont? This is the question, mommy is asking you. Is le pont traversable? Passe le pont en bois. Bon, déjà, Olivier, tu vois, ça c'est une information claire. On doit traverser le pont. C'est déjà clair. Par contre, en face, il va y avoir des yinches et plein de morts. En sortant de la porte qui donne sur le mécanisme, directement sur la droite. D'accord. Direct. En sortant de la porte qui va vers le mécanisme, donc la porte là-bas au fond. Tu parles bien de la porte là-bas au fond. Bah, là, il y en a un qui prie. Je l'ai interrompu dans ses prières. Qui a le droit de faire ça? Un croyant, même s'il est non... C'est là. C'est là. Putain, je m'aime. Dites-moi que je fais pas un dégât de chute. Excusez-moi. Excusez-moi. Putain, on aura réussi. Moi, je dis des GG dans le chat. Des GG dans le chat. Qui réussit à faire ça? À suivre un chat dans un jeu en monde ouvert. Dites-moi qui peut faire ça. Bon, est-ce que je peux ouvrir ma carte s'il vous plaît pour... Non mais je voulais pas boire. Je vais ouvrir ma carte s'il vous plaît. Pour m'enfuir de ce monde.
Ils veulent pas me laisser. Bon bah écoutez, merci pour les GG. On va s'équiper en attendant. Non, je vous vois de là. Je vous vois de là. Je suis en charge lourde direct. Hein. Voilà, on est une grosse patate. Ah, ces conseils de merde. Je sais pas comment vous me supportez des fois, je vous jure. Charge moyenne. Charge moyenne. On est good. On est good. On est bien équipé. On est bien équipé. Bon, il faut que j'aille les tuer pour pouvoir ouvrir ma carte, par contre. Ça, c'est con. Comment se fait-il qu'elle a fini 11 fois le jeu sans connaître ces endroits? Bah, non, je les connais. Mais c'est juste que j'ai pas sens de l'orientation. Donc, quand tu mets dans un monde ouvert, tu peux m'y mettre 100 fois. Hein. Je me perdrai toujours de la même manière, en fait. C'est ça, la beauté de mon charme. Je suis toujours surprise par la vie, du coup. Tu vois? Et ça, c'est beau, je trouve. Ça, c'est beau. Et puis c'est ça aussi qui fait le sel de ma chaîne, en vrai. Si au bout de mes 11 runs Elden Ring, je jouais comme une déesse et que je fightais tout du premier coup sans jamais me louper, franchement, ça vous ferait chier. Soyez honnête, je suis sûre que vous préférez tous me voir galérer comme ça, parce que c'est ça qui fait rire, en vrai. En vrai, c'est ça qui est drôle. Bonne nuit, Kimos. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Elle a la mémoire sélective. Non, mais Letty, c'est vraiment que je... C'est... Dans mon cerveau, ça se fait pas une map. Il n'y a pas de carte, donc je vois très bien la zone, mais il n'y a pas de carte qui se dessine. Donc, du coup, je galère. En fait, tu fais semblant. C'est pour que le chat t'aide. Alors, je fais vraiment pas semblant. Je fais vraiment pas semblant, parce que tu le vois bien. Quand je me dirige, tu vois, des endroits que je connais, j'y vais. Mais quand je connais pas, je fais pas semblant. Et c'est pour ça, quand vous me dites à droite, mais que c'est un monde ouvert, tu vois, et que moi, j'ai avancé 10 pas depuis, je suis là, attends, à droite vers la droite ou à droite vers la gauche? La droite de qui? Je ne sais pas. Ok, on y retourne. Et David, il s'est connecté? En no hit, les yeux fermés, je serais impressionnée, Sam. On peut toujours essayer. En NG, en NG+, ça je l'ai fait. Parce que j'ai une partie qui a un NG plus 5. Et c'était effectivement du no-hit. Mais voilà, c'est parce que je l'ai déglingué en deux coups. Voilà, voilà. Bref, nous sommes tout beaux, tout parés pour aller tuer Rinala. Est-ce que le dada, il est prêt ou pas? Je suis devant Rinala. Alors, est-ce que j'ai des... Attends, je sais même pas si j'ai la potion pour créer des remèdes de doigts croches. En vrai. Si. Ok, attends, je suis en hors ligne aussi, je crois, mon dada. Je joue en hors ligne. Parce que c'est hyper énervant, les messages au sol. Donc ça veut dire qu'il faut que je relance le jeu. Ceci est la pause qui vous invite à mettre un pouce sous la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. On aime Sam, l'avoir galéré, on passe toujours des bonnes soirées. Adèle, je sais que mes chutes sont ton bonheur, donc ça me va. C'est vrai que c'est plus fun ta façon de jouer à regarder. Mais oui, parce que, enfin après, je suis la première hein, à adorer regarder Exerve ou Playmo, tu vois, sur les vidéos qu'il fait. Bien sûr, c'est un pur kiff parce que tu te dis « Waouh, il y a des gens qui jouent comme ça !» Et c'est incroyable. Mais moi, je trouve que c'est plus rigolo de jouer comme je joue. Oui, on va se mettre un mot de passe. Qu'est-ce qu'on se met comme mot de passe? J'ai envie de te dire de manière très classique, Malenia. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on se met? Bonjour, bienvenue à tous. Ouais, on met Malenia avec une majuscule en OM. Après, j'avoue, c'était la run Mesmerada, on aurait pu Mesmer quand même. On aurait pu mettre Mesmer. Mais on met Malenia. Touk, on est reparti. 1, 2, 3, 4. Yes. Et moi, je vais mettre un remède de doigt croche-croche. Ils sont où? Ils sont en bas. Sam, je suis tombée sur Forza qui a plié le jeu en 55 minutes. Il y a des gens qui sont hyper doués. Hein. Les speedrunners et tout, c'est un truc de malade. Hein. Merci Maliti. Mais moi franchement, Maliti, moi ça me va de jouer mal. Hein.
Ça me dérange pas du tout. J'apprécie justement en fait la découverte et puis jouer avec un chat et en live avec des lumières dans le visage, ça n'a rien à voir avec jouer dans son canapé. Dans tous les cas, c'est différent. Mais j'aime bien aussi ça. Coucou mon dada, bienvenue dans la partie. Je pense que c'est pas évident de se concentrer sur le chat et le jeu. Bah t'es forcément déconcentré. T'es forcément déconcentré. Je suis bloquée dans la dernière zone, donc respect, t'es bloqué où, Karim? Tu veux dire Leyndell en cendres? Ou la cime des géants. Il y a un de mes chats qui est réveillé. Je viens d'entendre derrière moi un bruit de canard. Putain, mais tapez David s'il vous plaît. Je l'ai ramené dans la partie pour ça. Saute s'il vous plaît. Putain. Ah oui, hein, on est content d'avoir Dada dans la partie. En fait, je vais m'asseoir dans un coin et je vais le laisser. Et je vais le laisser tabasser Rinala. Allez. Ah par contre, elle a bien sûr beaucoup plus de vie. Recule! Eh, je me suis quand même pas pris le coup. Je suis fière, je suis fière. Ah mais vous avez raison, un coup les tue? Non, non, ça les tue pas, hein. T'es obligé de mettre deux coups quand même. Vous avez vu comment je laisse Dada faire le travail. C'est moche cette façon de faire. Tiens, il y en a un derrière. Je suis bloquée. Ah bah voilà. Tac. C'est trop drôle, je trouve, la coop. Si vous avez jamais fait de coop sur ces jeux-là, faites. Je vous jure, c'est tellement drôle. C'est tellement marrant. On a fait des parties entières avec Letty. Franchement, on s'est éclaté. On s'est éclaté. Bon, Xou, ça prend du temps de s'habituer, le chat, ouais, et tout. Oui, c'est pas facile, facile hein, de streamer, je trouve. Parce qu'en plus, tu parles. T'es pas concentré, en fait. Tu parles. Et puis, t'as à cœur que les gens passent aussi un bon moment. Donc, tu... Bah, the fuck. C'est la première fois que j'ai eu ce bug! J'ai jamais eu ce bug là avant, genre on arrive avant Rinala dans la pièce de danse. Alors ça, jamais ça m'est arrivé. Vas-y, elle peut pas se stun? Oui! Vas-y. Yes! Oh. Ouh, ça nous fait frétiller ça. Elle va pas invoquer son pote? Chelou qu'elle ait pas fait d'invocation. Vous savez quoi, on va pas jouer les malins, j'allais me soigner. Dada, des GG dans le chat, mais pour Dada, t'as tellement géré, merci infiniment. Merci, ça m'aurait fait chier, franchement, qu'elle meure pas. Ah là là, pas obligé de tuer les nanas au bouclier, juste à casser le bouclier suffit. Qui? De qui? De qui? De qui? Ah, la cime des géants, d'accord. Ah oui, non, la cime des géants, elle est compliquée. Après, vous savez ce que j'aimerais faire une fois, mais bon, c'est chiant parce que ça va limiter, c'est en PS5. Merci Dada, j'aimerais beaucoup. Honnêtement, j'aimerais. J'ai pas les runes du fight. Allez vous faire foutre. J'ai pas eu les runes. J'ai pas eu les runes. On peut pas retourner dans la zone. Dis-moi que les runes, elles sont posées à côté d'elle. Parce que là, elles apparaissent à l'écran. Dis-moi qu'elles sont posées à côté d'elle. Je les défonce s'ils m'ont pas laissé mon argent. J'aimerais bien faire un live. Mais bon, c'est adressé qu'aux personnes PS5. Où c'est full coop. Où en fait, vous êtes sur vos parties Elden Ring. Vous m'invoquez en fait et je vous rejoins un peu comme Let Me Solo Her, sauf que ça sera pas du tout le délire et Let Me Solo Her. Et genre en fait je viens faire un fight avec vous sur un combat. Voilà. Ça pourrait être sympa, non? Genre là tu vois Karim t'es à la cime des géants. Je sais pas si tu joues sur PS5 mais je pourrais venir t'aider à fighter le géant de feu si c'est lui qui te coince. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ça a pas marché. Mais si, ça a marché, qu'est-ce que tu me dis? Coucou mon Kay! Comment tu vas? Oh, mon petit Kay! Dans le casque qui lui appartient. Saluons tous mon petit Kay d'amour qui est là. Comment tu vas mon Kay? Ah mais non, ça a pas marché parce que ça m'a pas mis déesse morte. Putain de bordel de merde. Dada, reviens! Dada!
Je suis deg, il l'a tué. Mais oui, vous avez raison, j'ai pas eu l'affiche. Tintin, je suis dégoûtée. Mais oui, ça m'a pas mis l'affiche demi-dieu décédé, quoi. Putain, la déception. Ah, t'es PC, c'est dommage, Karim, parce que du coup, ça marche pas, en fait, le cross-platform. Sinon, j'aurais tellement fait chier Xerf pour qu'on joue ensemble. Je l'aurais tellement fait chier, le pauvre. Mais j'ai hâte, en fait, j'achète un PC aussi pour avoir le mode qui permet de jouer en seamless. A priori, on peut s'invoquer comme on veut. On va jouer avec Karim, du coup, je vois que ça. Ça y est, tu me quittes. C'est fini. C'est fini. Mais putain, on dirait que j'ai sauté, t'es sur le... Allez, le temps que j'arrive, ils les tapent tous. Comment il va, mon Kay? Est-ce qu'il est encore là? Mon Kay d'amour. Qui un jour ou l'autre va vouloir récupérer le casque de Malenia, je le sens. Oh, attends, excusez-moi, pardon. Pardon, pendant que je m'amusais, j'avais pas compris que Dada, lui, il était en train de faire du vrai boulot. Non, saute! Genre... Mais... Putain, le lock... Le lock me rend chèvre. Je devrais rester ici, en fait, et laisser... David faire le taf. Exerve à ton tour de lui lâcher le casque. Il devrait, en vrai, hein. Vous devriez faire alternativement un an chacun. Exerve l'a eu pendant un an, je prends le sien pendant un an. Tu récupères le tien pendant un an. Quand je rends celui d'Exerve, toi tu me passes le tien. Tu l'auras eu pendant un an. Moi je dis, c'est ça qu'on est censé faire entre meilleurs amis. Hein. Et vous vous dites mes meilleurs amis, donc à un moment donné, prouvez-le-moi. Prouvez-le-moi, messieurs. Voilà. Ça m'a le compas dans l'œil. Ça va, Nico, ça va. C'est vrai que ça coûte un an. Ah là là. Non, mais j'aurai bientôt le casque de Mesmer, donc je pourrai te rendre le casque de Malenia. Même si ça va vraiment me briser le cœur, parce que tu vois bien que je suis Malenia. Putain, elle est pas là, encore une fois. Et c'est assez ouf, hein. J'ai jamais vécu ça. Mais are you footing de ma gueule? Madame. Madame, sortez de votre lune. Vous savez quoi? J'aurais pu me buffer aussi un peu. Mais ça, aucun de vous ne me le dirait. Hein. Buffe-toi, Sam. Non, non, non! Parce qu'en fait, ouais, je me prends un coup, je crève, quoi. C'est ça qui est chiant. Oh putain, je suis rentrée dans son truc. Moi, j'ai vu la Vierge. Oh non, il y a un dragon! Putain, c'est pas vrai. Regardez, il va la tuer à nouveau. Vas-y, vas-y, demi-dieu abattu. Vas-y, demi-dieu abattu. Putain, ça a pas marché. Non, le casque là, il est à mon meilleur ami Kay. On est potes de lycée. Tu peux jouer à trois en même temps. Oui, mais alors là, la difficulté des boss, c'est autre chose. T'es davantage Mesmer. What? Je suis Malenia, Blade of Michaela. Mais du coup, je vais être amoureuse de mon frère Mesmer. Mais après, dans l'univers de George R. R. Martin, c'est normal entre frères et sœurs de s'aimer. Y a rien d'anormal à cette relation. C'est tout. Mais il est beau. Je t'avoue que déjà, enfin, mon crush, avant que ce soit mon frère Mesmer, c'était mon père Radagon. Donc... Quelque part, j'aime bien rester en famille. Je salis pas, tu vois, le sang de notre lignée. Mais j'avoue, franchement, Mesmer et moi, on ferait un très très beau couple. C'est tout. Avec sa flamme. Oh ah, Mesmer. George, je fais exprès. George R. R. Martin. Désolée, Dada, je vais essayer de pas mourir. Je vais te laisser mettre plus d'attaque que moi. Voilà, Yoni, il n'y a rien de plus important que la famille. Salut, Ivrite. Ivrite Courcise. Ivrite Courcise. Ivrite Course.
Il faut farmer à Kaylee d'atteindre un minimum niveau 120. Pour le DLC, ça t'entend. Oui, t'inquiète pas, de toute façon, j'irai pas au DLC avant, en dessous du niveau 130, ça c'est sûr. Et oui, George R.R. Martin nous a dit qu'on pouvait se faire plaisir en famille. Donc bref, voilà. Mais bon, j'aurais voulu, tu vois, le premier live sur le DLC, porter le casque de Malenia. Parce que la livraison, Kay et Exu, si Exu est encore là, nos collecteurs là, on nous a dit qu'on avait la livraison garantie. On a la livraison garantie. Ne glisse pas, Sam. Blade of Nutella. On a la livraison garantie le 21. C'est ça le truc. On a la livraison garantie le 21 juin. Mais ça veut dire que le jeu, s'il est disponible à minuit, on ne peut point y jouer, quoi. Regardez, j'ai même pas besoin d'y aller. David, tu fais tout. Moi, je vous dis, je m'assois dans un coin. Et j'attends. C'est tout. Moi, je compte sur le jeu avant. Oui, ah, ben oui, mais toi, tu es un grand youtubeur. Excuse-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur, de ne pas avoir 189 000 abonnés sur ma chaîne. Excusez-moi d'être encore une petite chaîne. Des fois, je me rends pas compte, je te jure que je suis. 100... T'as fait les 190 000! Oh, des GG dans le chat, s'il vous plaît, pour notre Xou. 190 000 abonnés. Et en plus, cette première vidéo du guide d'Elden Ring a atteint le million, si vous savez pas. Des GG dans le chat pour notre Xou qui le mérite. Il le mérite amplement, c'est une personne incroyable. Regardez comment j'attends que David y fasse ce taf. C'est beau ça quand même. C'est ça la vie d'une femme, c'est ça l'énergie féminine. Attendre que les hommes fassent pour eux. Pas pour elle. Et là, je vois tous les masculins dans le chat. Ouais, c'est bon, c'est quoi ces phrases? C'est énorme, mais GG. Hein. GG. Hein. M'en manque 100 abos. Bah écoutez, si, hey, les gens qui sont sur ma chaîne, on est 101. Enfin bon, je suis quasi sûre que vous êtes tous abonnés à Exerve. Mais ça va se faire là, ça va se faire là. Et oui, c'est mérité, je suis d'accord, mon Kay. Mais du coup, Kay, est-ce que tu veux venir récupérer ton casque ou est-ce qu'on peut attendre au moins l'arrivée du DLC? On est dans quel... on est dans quel... on est dans quelle pensée? Elle est où? Ah, Scusi. Scusi, vous avez commencé le fight sans moi. Ça va, ils sont pour toi. Wouhou! Non, mais non, mais elle va pas vivre à un PV, tu te fous de ma gueule. Voile par la Rani. Que vienne ta nuit. Oh, sa nuit va venir. Des GG pour mon dada, parce que c'est lui qui a fait le gros du taf. Rune majeure de l'enfant à naître. Bye! Bye! Merci beaucoup! Je suis en bas de chez toi, là. Viens, monte, je t'ai fait un petit thé, on se met bien. En plus, j'ai acheté des Oreos, tu sais, mais les Oreos fourrés double crème. Ouh là là! Ouh là là! Je me mets pas la pression, Karim me répond devant des centaines, ces centaines de personnes. De quoi, à quoi tu réponds? Ça sera d'ici 2-3 jours, t'imagines? 190 000 abonnés. Qu'est-ce que ça doit faire de se dire il y a 190 000 personnes qui sont abonnées à ta chaîne? C'est ouf, hein? C'est ouf. Merci mon David, merci beaucoup. Renala n'est plus. Sayonara madame. Est-ce que cette fois j'ai bien les runes? Eh, GG à toi mon dada. T'as vraiment fait le gros du taf. Merci beaucoup. Merci beaucoup beaucoup. Montée de niveau. Ah super, on peut prendre 2 niveaux. Ouais! Ouais! Yes! Eh ben c'était. On n'a pas fait de live pour rien là, hein, franchement.
Donc c'est bon, on peut traverser. Moi, je dis qu'on continue le chemin là, sauf si vous êtes fatigué, vous avez envie d'arrêter. Je suis pas montée au village dément, hein, qui est une de mes zones préférées dans le jeu. Off, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au plateau Altus ou est-ce qu'on va au village dément? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas fatigué. Bon, ouais, je vais demander qui taffe demain. T'imagines une armée grave, Kay. Et quand même, moi après, bon, je sais, je suis une petite chaîne, mais quand tu dis 3300 personnes, imagine en vrai 3300 personnes. C'est beaucoup. Bon, après, bien évidemment, 190 000, tu remplis des salles de concert, là. C'est autre chose. Merci, Xou. Très bonne nuit à toi. Dors bien. Merci d'être passé ce soir. Manoir de Caria? Oh non, non, je le déteste. J'adore Loretta. J'adore fêter Loretta. Tu commences à midi, Malenia? Tu vas dodo, mon Kay? Des gros bisous. On se voit vite, hein. On se voit à partir de la semaine prochaine. Des gros bisous. Je t'aime. Je vous aime tous. Mais tu m'aimes moi? La blague. Je ne partage pas ton amour. Je ne partage pas ton amour. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Où est-ce qu'on arrête le live parce qu'on se dit il est 23h15, on est des gens raisonnables et après on fait des nouvelles zones. Est-ce qu'on est des gens raisonnables? Après vous êtes encore 82 sur le live, donc du coup je sais pas quoi faire. T'adores le manoir de Caria, ma Letty? Putain, pour Letty. Pour Letty, on va aller faire le manoir. Voilà. Salut les archivistes d'Anteville Biohazard, mon ange calou. Comment tu vas? Le problème en fait c'est que je sais pas être raisonnable pendant les lives, après je mets plus de 2 heures à m'endormir. Est-ce qu'on passerait pas un petit coup en fait par le bastion parce qu'on peut peut-être monter nos armes ou que sais-je, non? Je sais pas hein, mais peut-être quand même. Oups, mauvais compte. Ah t'as plusieurs comptes? Oui le dernier ça... Oh on va se faire envahir par Encha, le connard. Welcome pute de Encha. Il va me sécher là. Je me sens l'obligation de fighter sans prendre de fiole. Merde. 1 PV. Mais du coup, ah j'ai jamais perdu. Il se passe quoi quand c'est lui qui gagne? T'es dans le bastion du coup ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Oui, pas de soucis, t'inquiète. Hein. Salut Rabat, comment ça va? Ça y est, bon compte, comment tu vas? T'as vu, je t'ai reconnu quand même. Je t'ai reconnu quand même. Mais qu'est-ce qui se passe du coup quand on perd face à Encha? Alors ça, première fois de ma life. Bonsoir, bonsoir. Radan, non mais on est loin d'aller... Ah, on recommence le fight. Ok. Mais quelle connasse. C'est Umbrella Ange avec son autre compte, faut le savoir. T'as vu ça, David? Faut se méfier de Umbrella. Cette entreprise de connard. Il se serait appelé Wesker, je me serais vraiment inquiétée. Umbrella encore, ça passe. Toujours trop gourmande, toujours. Ça va très très bien, écoute. Donc en fait, on est obligé de gagner ce fight. Y a pas d'histoire, en fait, y a pas de... Vas-y voir si tu cours en fait autour de la table du coup. Qui est con. Ah non, bah non, il balance des magies. Regarde-le. Oh c'est beau. C'est beau d'être aussi con. Non mais monsieur, détendez votre string. Ah bah oui, avec la magie. C'est bizarre comme ça va d'un coup beaucoup mieux. J'ai trouvé le moyen de mourir. Je méfie des parapluies et des ratons laveurs. Les ratons laveurs? Pourquoi les ratons laveurs? Ah, rampe et cache-toi sous la table. Ça aurait été drôle. Ah bah Umbrella. Notre ennemi numéro 1, bien évidemment. Umbrella. Donc ça y est, on a 2 runes. Donc on peut ouvrir en plus, c'est-à-dire qu'on peut même aller à Lendel. Ouh, ils frémissent.
Vous avez obtenu le droit de devenir dame d'Elden. Pourquoi elle dit ça, elle, en plus? Pourquoi elle dit n'importe quoi, en vrai? Chercher l'arbre monde et demander une audience avec la reine Marika pour devenir dame d'Elden et restaurer l'ordre d'or. Les doigts en attendent autant de vous que du jeune Gideon. Mais parce qu'il est jeune, pour moi, il est vieux, Gideon, au finir. Prenez ceci en guise d'adieu. Ouais, une sacoche à taillissement. Partez maintenant, devenez dame d'Elden. En plus, elle fait genre d'être la... Elle fait genre d'être la chiennasse des doigts. Et après, c'est la première à nous dire « Ouais, crame l'arbre !» Donc, pardon. Excusez, madame, mais c'est pas très très logique ce que vous faites, en fait. C'est pas très très logique. Alors, est-ce qu'on peut monter notre arbre ou pas du tout? Vos yeux racontent une histoire. Celle du sommeil. Pardon, pardon d'avoir un humour à chier comme ça. Non, pas du tout, il nous faut une pierre de forge sombre 6. On n'en a pas, il y en a au manoir du volcan. Oh, il y en a un peu partout, me direz-vous. Attendant, il faut que je parle de Roderica qui me la ramène. Faut qu'on aille dans... Vous savez où il faut qu'on aille aussi? Il faut qu'on aille récupérer la larme imitatrice. Parce que c'est ma sœur. Une deuxième Malenia avec nous. Un peu là... Ah, Raccoon City! Ah, mais j'avais même pas pensé à Raccoon City. Je me demandais, mais... De quoi vous parliez? Mais oui. Raccoon City. Oh, ça me manque, Resident Evil, ça fait très longtemps. Elle vient de dire cime des géants. J'en suis loin de la cime. Je suis loin, loin de la cime. Bon, les copains, par contre, ça m'aide pas du tout que vous soyez 92 à 23h30 parce que vous me donnez envie de rester avec vous. Donc si vous pouviez commencer à vous déconnecter en mode bon, on va aller dormir, c'est la nuit, on travaille demain, le réveil va sonner. Vas-y, fais-nous un câlin, Fia. D'ailleurs, tiens, j'ai eu un petit truc chelou sur Fia, parce que à chaque fois que je fais sa quête, en fait, quand j'ai l'armure géminée, je la donne au frère de Dee qu'on trouve devant l'entrée, en fait, des deux gargouilles, si vous vous rappelez. Avant Noxtella ou après Noxtella, je sais plus. Avant Noxtella, il me semble. Et bref, là, cette fois-ci, je lui ai pas donné l'armure géminée. Et du coup, quand j'ai fait la quête de Fia, que j'ai tué le dragon Lancéax, et que je suis revenue vers Fia... Donc elle est allongée et on récupère la rune de mort, mais elle, elle n'est pas morte assassinée. Il n'y a pas D là qui est en train de la tuer. Enfin, le frère de D qui est en train de la tuer. Non, non, ça va, les câlins. Je ne suis pas très tactile, madame, avec les femmes. Donc voilà, je trouvais ça très bizarre. Sam est trop dans Elden Ring, là. Elle n'a pas la tête dans RE. Pour ça, elle ne capte pas. Pardon, mange calot. Et pourtant, RE a été une demi-licence de cœur très, 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 très longtemps. C'est lui qui a l'armure qu'il faut qu'on récupère. J'adore Resident Evil, hein. Vraiment. Mais moi je vous dis, j'adore Claire Redfield, ça m'énerve qu'on la voit jamais Claire. On la voit rarement, si ce n'est dans les épisodes qui sont pas de vrais épisodes, quoi. Les révélations. Je veux dire, voilà, moi j'ai envie de... Moi j'ai envie de revoir Claire dans un épisode comme Code Veronica. Voilà, je lui ai dit, ah putain, on a une nouvelle armure là aussi. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Il nous donne pas quelque chose, lui? Je sais plus. Je sais plus s'il nous donne quelque chose. Porteur de fragments, blablabla, 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 prêt à Rikard, Drenala. Oui, Encha s'est un peu emballé, il a essayé de me tuer. Ok, puis on demande pas d'autres infos parce que on connaît l'histoire. Ok, et eh ben écoutez, est-ce que tout le monde est encore là ou pas? Où est-ce qu'on s'arrête? Il va être 23h30, hein, je sais pas quoi faire. Soit on se fait le manoir de Caria. Soit on va dormir. Salut Fréris! Code Veronica, mais oui, il est super carré, mais la musique du début. Et puis même l'histoire de la famille, quoi. Alfred Ashford et Alexia, c'était juste gueudin. Je suis désolée, c'était fou. Le manoir, mais le... Rabat, je n'accepte que des gens qui bossent, qui me disent qu'on continue. C'est-à-dire qu'on va tous souffrir demain. Si jamais vous bossez pas demain et que vous n'avez pas de réveil, je veux pas vous entendre.
Donc. Putain, j'hallucine, on est passé entre, entre les mailles. Les mailles, oui, les panzani. Merci, Jimmy. Les portes sont immenses. De quoi? Le manoir, le manoir, le manoir. Le manoir, c'est rapidement plié. Mais non, le manoir, il est pas rapidement plié. Il est long, le manoir. Je bosse pas, mais je dois me lever tôt pour mon fils. Ça compte? Ça compte. Ça compte. Tu m'as pris pour qui, lol? Je bosse plus qu'un chinois. J'en sais rien, Rabat, je te pose la question. Est-ce que tu bosses demain? Et je bosse plus qu'un chinois. C'est un peu... C'est un chouïa raciste de dire ça. Faut pas dire ça. Pour moi, il est 17h23. Au top. Oh, il est 23h23 chez nous. Faites un feu, c'est une heure miroir. It's an heure miroir. Repose-toi si tu sens l'envie d'arrêter, car à ce tarif-là, tu seras encore là 3h du matin. Le problème, c'est ça, c'est que j'adore tellement jouer, j'adore tellement streamer. Tu veux pas nous faire la berceuse d'Alexia? Bon, la fin, c'est pas... c'est, je crois que c'est miroir dans les deux cas, le 23h32 et le 23h23, je crois que c'est des... C'est, quand t'as deux fois le même chiffre, en fait, je crois que c'est des heures miroir. Ce me semble, hein. Me trompe, je peut-être, mais... Faudrait vérifier. Non mais Yoni joue. Monsieur. Monsieur, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Même si c'est pas les miens. Tout le chat dort, c'est bon, t'as gagné. Oui, c'est mon humour, rien de raciste. Non, non, je sais. Mais Rabat, en fait, on a l'habitude de dire ce genre de choses et ça peut blesser... regardez cette grosse main. Et ça peut blesser des gens, c'est, je te le dis comme ça, mais après... je suis la première, tu sais, à avoir un humour pas conventionnel et... Et à malheureusement pouvoir blesser sans le vouloir. Non mais détendez-vous deux instants et 30 secondes. On n'a pas le droit en plus d'appeler, je crois, notre cheval ici. Je crois que ça s'est fermé. Où est-ce qu'elle nous a emmené, Letty, sérieux? On aurait pu être tranquille, c'est d'aller sur le plateau Altus. La meuf, elle s'est dit, non, viens, on va dans la plus grosse zone de merde du jeu, là où il y a toutes les mains. Toutes les mains araignées. Salut Sam, je reste pas... Vu que j'ai pas encore joué, oui je comprends, ne te spoile pas. Franchement, garde toutes les surprises. Kiffe l'aventure, t'as bien raison, mais merci beaucoup d'être passé quand même dire bonjour. Enfin, bonsoir. Il a failli m'avoir. Ah, mais c'est ici qu'on fait la quête de... Qu'on fait la quête de Sylvice. En vrai. C'est mon tout premier live sur ta chaîne. Pour inaugurer ça, joue encore. Non mais, tu me donnes pas d'ordre, Yoni, je te jure. Plus tu me dis ça, plus je vais annuler le live. Tu me connais pas, je suis pas une femme à qui on peut donner des ordres. Attends, la plus grosse zone de merde, c'est le lac de putréfaction. Je l'ai fait hier, Letty. Je l'ai fait hier. Là, d'ailleurs, je dois aller tuer le... Vous savez ce que j'ai envie de faire? Je dois aller tuer le géant de feu. Sur mon autre partie, vous n'avez pas envie que j'aille tuer le géant de feu sur mon autre partie avec vous? Et on se garde le manoir pour la prochaine fois. Yoni, on est passé à 80 viewers, tu n'es pas prête d'arrêter. J'ai beaucoup de mal à arrêter quand je vois qu'il y a beaucoup de gens. Hein. Honnêtement, des fois j'arrête le live, il y a encore 50 personnes, je me dis bon, 50 ça gère. Mais là quand vous êtes 90, oui c'est un peu plus compliqué. Hein, est-ce que je vais sur mon autre partie tuer le géant de feu? Qu'est-ce qu'on en pense? Ou vous voulez continuer la Mesmeralda avec le royaume de Caria? Mais oui, Letty, elle est partante pour tout. Mais oui. Merci, Yoni. Non, non, il n'y a pas de en dessous de 1 million. Go, la deuxième partie. Un petit géant de feu bien relou. Bah, c'est justement ça, Letty. En fait, il est relou. Et je me dis, au moins, si je le fais avec vous, ce sera moins relou. Parce que vous serez là pour me soutenir, quoi. Donc, c'est pas la même. Alors. Et du coup, j'ai pas décidé. J'ai ouvert la voie jusqu'à la flamme exaltée. Non, je me suis trompée, putain. J'ai ouvert la voie jusqu'à la flamme exaltée. Du coup, je savais pas trop est-ce que je crame quand même Mélina, mais je pense que je vais la cramer. Je pense que je vais la cramer. Je pense qu'on va cramer Mélina.
pense. On va faire l'ordre d'or. Moi, j'aime bien la fin de l'ordre d'or. Alors, charger, c'est celle-ci. Le géant de feu avait failli me faire abandonner ma première partie. Ah, mais il est très relou. Hein. Bye, Ellie. Merci beaucoup d'être resté aussi tard. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Alors, je crois que j'ai pas ouvert tous les sites de grâce en plus. Donc, faut qu'on traverse un petit peu quand même. Le géant de feu, c'est un marronneur. Je me souviens d'un streamer qui a eu la P1 du géant de feu dans la salle de Rinala. Ah, ceux qui utilisent des mods. First try le géant. Oh putain. Et David, c'est pas un homme à vous mettre la pression, David. C'est un homme qui vous pousse vers le haut. Et d'ailleurs, sur tous vos conseils, j'étais allée récupérer l'armure des assassins des couteaux noirs. Je vous avais dit que j'avais envie de la porter. Vous m'avez indiqué où est-ce qu'elle était. Du coup, je suis allée la chercher. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Première fois que je viens en stream et c'est vraiment sympa. Pas de pression. Il y a une super ambiance. Oh, merci Karim. Merci beaucoup. Bah écoute, sois le bienvenu. Tu verras qu'ici, c'est toujours très, très, très cool. Et puis, on est bien. On a, tu sais, la team Modo aussi qui est là, qui surveille s'il y a des débordements et tout. Donc, normalement, on est plutôt bien. On est plutôt bien, j'ai envie de dire. On se fait envahir? Dis-moi pas que je me fais envahir. Je me fais envahir par qui? Qui nous envahit ici? Okina! Putain, mais je l'ai pas fighté depuis what, 1000 ans? Il est où? Putain, attends, j'ai trop peur qu'il m'arrive dans le... Oh, oh putain, attendez, faut que je me rappelle de mon build. Il nous lâche ses lames, non? Oh, genre, ça l'a pas touché. Vas-y, mets du dernier coup! Voilà. Bye, Okina! Rivière sanglante! Yes, j'ai jamais joué avec. J'ai jamais joué avec. T'es où dans cette partie? Comment ça, je suis où, Simon? Des modos chics et de charme, comme dirait notre Caro National. C'est beau, ça, c'est beau. Je veux cette armure pour Among Us. Non. Non, non, nous, on prend plaisir à vous tuer dans Among Us. Il est où le site de grâce? C'est en bas. Eh bien, voilà, on y est. On est au boss. God bless America. Allez, on tente. Merci mon ange. Ça fait bizarre, hein? Merci mon ange. T'sais, merci mon ange. Ça fait très personnel. D'un coup. Tu éclates Malenia en 2-2 avec la rivière sanglante. J'ai jamais essayé un build de sang. Enfin, t'es vraiment genre, t'sais, rivière sanglante où tu te fais le... Elles sont où les flèches déjà? C'est où? Attendez. Ça fait un moment que je suis pas venue à la cime. Bah. Scusi. Scusi, je me suis perdue. Je suis peut-être allée trop loin. Voilà, c'est là. It's here, let's go. Alors. Oh ouais, c'est tellement plus cool de le tuer avec vous en vrai. Ah mais oui, on peut y aller à Dottorento. Attends, descends le temps de faire... Oui, parce que du coup, vous m'avez jamais vu jouer ce build. C'est une découverte pour vous. Go! T'imagines, le pauvre, elle a tué son peuple entier, Marika, mais lui, elle l'a laissé vivant pour s'occuper de la... Pour s'occuper de la flamme? C'est pas horrible comme destin? C'est pas une chiennasse, cette Marika, en vrai? Mais tape! Mais tape! Mais tape! T'arrêtes pas! Je sais pas trop ce qu'il fait, mais... Il a roulé sous les aisselles.
contrôle. Allez, P2, 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 P2. C'est bon, P2. Eh, mon Playmo, je te suis à la trace sur ce build. C'est la P2 le plus dur. C'est là où ça va se compliquer. C'est gore quand même, entre Godric, tu sais, qui se coupe le bras, lui qui se coupe le yep. Regardez ses doigts. Ses doigts, ils ressemblaient tellement aux deux doigts quand il a avancé sa main, vous trouvez pas? Ah, oh, c'est dégueulasse. C'est vraiment immonde. Ce yep qui a bien besoin d'une pellicure. Oh là là. C'est moche. Le géant prend son pied, c'est chaud. Grave, Yoni, ouais, on va le tuer, puis après, comme ça, on arrêtera le stream. Ce sera très très cool, on aura déjà bien avancé. C'est là où c'est chaud, parce qu'il balance vraiment beaucoup de sorts de feu. Et là, c'est compliqué. Vise les pattes, vise les pattes. En plus, il roule tout le temps, il est trop chiant. Ouais, voilà les dégâts. C'est, tu te prends les flammes. Voilà, tu meurs. J'ai même pas eu le temps de me soigner. En même temps, je me suis jetée dedans. On va pas se mentir, je me suis jetée dedans. Non mais Jimmy, c'est vrai. Il aurait bien besoin d'une petite, tu vois, pédicure quand même. Hein, allez, c'est reparti. Il faudrait que je joue prudence sur cette P2. Au lieu de jouer comme une gogole comme j'ai l'habitude de jouer. Il faudrait que je joue avec prudence. Et je suis sûre qu'en jouant prudemment, je serai capable de l'éclatax. Attendez, attendez. Je sens déjà la chute. En P2, on a l'impression de ne pas le taper. C'est ça, Dada. D'un coup, en fait, c'est t'as plus de trucs. Attends, monsieur. Attends. Attends, moi, je dois me buffer. Excusez-moi, mais j'ai une routine. Ça, ça. On est parti, c'est bon. Cette technique de buff. J'aurais jamais su faire ça sans Playmo en vrai. Mais non, j'ai roulé. Ah, mais par contre, regardez les dégâts. Alors que normalement, ça vous enlève, mais genre un truc énorme. Super. Ah, j'adore les fails comme ça. C'est super, c'est parce que tu vois pas les attaques arriver avec des boss... Merde, j'ai essayé de prendre un... Il va rouler? Non, il va me taper. Tu vois pas en fait les attaques arriver. Mais non, j'ai roulé, je vous jure. Respectez-moi. Respectame. Wouh! C'est le seul mec de Tinder où il faut courir derrière lui. Je sais pas où est son yep, mais il est... J'avoue, la caméra quand même c'est quelque chose. C'est quoi, on va appeler Torrento pour être plus proche, parce que s'il faut Ah merde, je me suis fait cramer les boules. Oh putain, belle esquive pas voulu, mais belle esquive quand même. Monsieur, donnez-moi votre pied, je suis là pour vous le pédicurer. N'ayez pas peur des soins, vous allez vous sentir mieux après. Je vous le promets. Bon, il veut pas passer en P2 là, sérieux? Ah, oh, quand même. Salut Fournes, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Allez, zou. P2. Bon, il faut pas que je me fasse avoir. Vous savez quoi déjà, je recharge la vie à fond. On va pas jouer les concons. Je sais qu'il y en a beaucoup qui tapent les mains, moi je tape pas les mains. Je vais attendre qu'il
se désembrase un peu. Oh, putain, c'est canon ça. Oh là là. Oh, les runes. Regarde, t'as l'impression de pas faire de dégâts en vrai. C'est ouf hein, la P2. Vise le cul. Oh putain. Oh, vous aurez jamais eu une vue aussi. Putain, heureusement c'est Torrent qui a pris. Torrent spectral, mais il prend des dégâts. C'est beau. Vraiment, sa barre de life, elle descend, mais... Merde, j'ai plus de fiel de l'âme céruléenne. Il a tué Torrento. Dépêche-toi de te lever. Dépêche-toi de te lever. Ouh. Oui, oui. Réveille-nous, Torrent. Putain, mais arrête de... Lock pas. Bah... Excusez-moi, c'est quoi l'attaque qui m'a enlevé la barre de vie entière? Genre entière, c'était quoi? J'ai jamais vu ça. Pédicure à la Sam. Non mais c'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Scoozie, mais je me suis jamais fait one shot. Hein. Jamais. Pédidissu. Ah peut-être tu t'es déjà fait one shot, ça m'est jamais arrivé Dada. Like never. Never ever. Et ça on n'aurait pas pu le prévoir. Ça on n'aurait pas pu le prévoir. Aizu. J'ai jamais vu ce boss, c'est vrai. Écoute, nous on l'aime pas. C'est un des pires boss du jeu, en vrai. Et l'arme à deux mains et on est parti. Je suis sûre que si j'invoque par contre ma cendre, ma larme imitatrice, il meurt direct. Reviens, je sais, j'ai les mêmes à la maison. Ouh. Non mais arrête de fuir. Ton pied et moi, c'est notre destin. Nous sommes destinés à nous aimer. Quel échant quand il roule loin de moi comme ça. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Rester à ton contact, à tout moment. Oh, laisse-moi t'aimer. Oh, doux pied. Doux pied que voici. Pidu, may the force be with you. Merci, mon ange. Merci beaucoup. Merci, Motet! Les dégâts, je comprends pas du tout, Dada, sur cette P2. Franchement, t'as l'impression de pas le toucher. Vous savez quoi? Encore une fois, on fait pas les malins. J'ai assez de life pour prendre des fioles. Donc on va être full life. On va attendre ici. Les pieds. Laissez-nous prendre notre pied. On veut tes pieds, on veut tes pieds. J'ai jamais vu un pied si beau. Alors moi je veux juste, j'aimerais bien voir quand même qu'est-ce qui m'a one shot hein, tout à l'heure. Regardez les dégâts quoi, c'est ridicule. Après si je descendais ça ferait plus de dégâts quand même. Mais bon, flemme. Ça fait pas plus de dégâts en vrai. Il va me tomber dessus. Mais il est stun? Il était stun? Il se stun lui? Mais tu te fous de ma gueule, il est stun de l'autre côté? Putain, tape. J'ai pas le temps de me retourner. Putain, je vais cramer. De chance, cette invincibilité parce que j'ai appelé Torrent.
Putain, on l'a fait tomber. Mais je suis morte ! Non, tu te fous de ma gueule. Vous avez... Dis-moi qu'il est mort. C'est bon, souvenir du géant de feu. On l'a eu. C'est bon. Cette blague, je suis morte en même temps. Cette blague. Quelle bande de connards. Eh mais là, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, mais non, ils vont me refuser la victoire. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'était un beau fight. Ben vous voyez, ça c'est typiquement le genre de fight. Je ne les ferai jamais en fait sans l'alarme imitatrice parce que je pensais pas être assez douée pour faire ce genre de fight sans l'alarme. Donc je suis très très contente de voir que maintenant en fait je peux. Bon, je vais vite aller récupérer mes runes parce que là être à zéro alors que je viens de tuer le géant de feu et que j'étais équipée du talisman du scorpion là pour faire plus de sous-sous, it's a no. Merci beaucoup. Merci pour les GG. Ah c'est cool, je suis contente de l'avoir passé avec vous parce que c'est vraiment un boss insupportable. Voilà, 229 000. Ça se passe bien. On va aller cramer Mélina, tiens, si vous avez envie de voir la crémation. Je vous invite à... Je vous invite à la crémation de mon enfant. Alors, on monte quoi? On monte quoi? Je sais même pas si j'ai besoin de monter l'esprit en vrai, je vais monter la force. Allez. Au barbecue. Tous ensemble au barbecue. Salut Alex, comment tu vas? Vous êtes invité ce soir à un barbecue donné par Damier Chani. Au menu, une petite Mélina à l'œil fermé. Préparé dans son ragoût de flamme des géants. Vous m'en direz des nouvelles. Touk, 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 touk. J'ai déjà chuté ici plusieurs fois, hein, juste pour que vous sachiez. Ah oh, putain, qu'est-ce que... Putain, je vais chuter de... Ouf. Oh, merci. Merci beaucoup, Fournaise. Merci du fond du cœur. Et c'est Gus, Karim, bah tiens, Karim qui arrive sur la chaîne, Akinawa, Big Boss et Sergio qui reçoivent un abonnement. Un gros bisou mon Fournaise, merci infiniment pour ta générosité, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est adorable. C'est adorable. Vous savez qu'au début, j'avais pas compris qu'on pouvait tourner en fait sur les rails. Donc du coup, j'essayais de descendre en fait au milieu et je mourais. Et j'étais, mais je comprends pas. Mais où est la suite du jeu si je peux pas descendre dans la flamme? Merci mon Fournaise, merci, 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 merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aizou, barbecue. Abonné depuis déjà un an, mais rarement présent, ravi d'être là ce soir. Et bah bienvenue Alex, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, parlez à Mélina. I have long observed the lands between this world. La mort doit reprendre ses droits. Moi, par contre, je suis d'accord avec elle. Êtes-vous prête à commettre un péché capital? Nous pouvons y aller. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas brûlé puisque je faisais la fin de la flamme exaltée. Vous avez vu ma belle armure? Est-ce que je suis pas canon? Mélina est fourbe, je la sens pas. Moi, je pense qu'elle est beaucoup plus manipulatrice qu'on ne le croit, ouais. Elle cache des choses, cette nana. Oh, allez, l'arbre monte. Oh, ça fait longtemps. Allez, brûle. Brûle, madame. J'adore ce jeu, il n'y a pas à dire, il est extraordinaire. Mais le fait qu'elle ait des marques de brûlure, elle a déjà essayé de cramer. C'est fou, on sait pas ça. Non, non, on sait pas en vrai. Bonne nuit Carrie, merci beaucoup d'avoir été là, bonne nuit, bonne nuit. C'est chelou, on ne sait pas. Oh, a tree, you shall burn. Putain, c'est magnifique. Quand le DLC va commencer, là, je viens de penser au DLC en me disant qu'on va voir des cinématiques comme ça.
the sake of the new lord. Bon, l'immolation a pas l'air de lui faire mal, c'est ça qui est cool. Thank you for guiding me here. Alongside Flame shall one day meet the road of destiny. Oh, c'est beau, hein. Ça me met les frissons, moi. C'est tellement beau. Goodbye. Puis c'est dur en plus le moment en fait où on va brûler l'arbre en vrai et qu'on retourne à Leyndell et qu'en fait on a niqué la ville entière. C'est chaud quand même, hein. C'est dommage que je porte ma capuche parce que je ressemble exactement à moi dans le jeu, donc on me voit pas. Faroumroum ! Faroumroum ! Oh, ça y est ! Putain, mais regardez ! Comment ce jeu il aurait pas pu être GOTY ? Regardez-moi ça ! Extraordinaire ! Extraordinaire ! Meilleur jeu ever. Coucou mon daddy! Un petit coucou ici avant le dodo. Bisous! Des gros gros bisous. Mon daddy, merci d'être passé. J'espère que t'as passé un très bon live de ton côté. J'espère que c'était très cool. Et que tu t'es bien amusé. Et où est le site de grâce? Il était pas là? Je sais plus où est le site de... Me dis pas qu'il fallait traverser là-bas pour avoir le site de grâce. Je l'ai pas loupé. Il est où le premier site de grâce? Il est en bas? Non, il doit être en bas, il est pas là. Ah, Farumazula, c'est beau, Letty. En plus, t'as tellement d'endroits à découvrir et tout, c'est... J'ai failli chuter. Alors que j'ai 102 000 balles là sur moi. Faut pas mourir. Attention. Oh mon dieu, mais regarde, t'arrives là. Non mais... Excusez-moi, mais GOTY, quoi. GOTY éternel, GOTY sur 10 ans, enfin GOTY de la décennie, il n'y a pas de... Quel jeu peut se mesurer à Elden Ring, en vrai? En vrai, de vrai, quel jeu? Putain, le site de grâce, c'est celui qui est derrière là-bas, ça me fait chier de les traverser tout ça. Si je passe comme ça, excusez. Putain, ça sent la mort, ça sent la mort. Ça sent la mort. Pourquoi j'ai fait ça en même temps? J'aurais pu fighter, hein. Tu viens de faire tomber un géant, donc t'aurais pu les tuer. Voilà. Toc. Quel connard. Elles sont venues en famille. Regarde l'autre, il a appelé ses potes. Mais connard, crève. Crevez tous! Tuez-les tous! Voilà! Trop bien! Merci de m'avoir accompagné pour la fin. Pour avoir tué le géant de feu. Je vous jure, ça me saoulait tellement d'aller le faire. Bah, c'est beaucoup plus sympa quand on le fait ensemble. Tellement plus cool. Merci du fond du cœur. C'était très 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 sympa. J'ai kiffé ce live, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire. Et j'ai passé un excellent moment. J'espère que vous aussi... Parce qu'on a quand même livé jusqu'à minuit au final. Oh là 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 là. On a livé jusqu'à minuit. Ah, et ben voilà. On a encore 82, franchement, en fin de soirée. Merci du fond du cœur, hein, de me faire l'amitié d'être aussi nombreux. Alors qu'il est tard comme ça. Bon, il me reste à aller me démaquiller, à ranger le bureau parce que vous voyez pas, mais il y a plein de trucs en fait. J'ai posé plein de coffrets devant moi pour que les chats ne viennent pas s'y mettre. Il y a les lumières, il y a le micro qu'il faut que je range, la PlayStation. Donc voilà, encore un petit peu de travail avant d'aller m'allonger. Tu as regardé la vidéo de HAL236 sur Elden Sam? Bien sûr Alex, une vidéo extraordinaire qu'il a faite d'ailleurs. Un travail magnifique, hein. Magnifique ce qu'il a fait.
Oui, c'est fini Alex, mais c'est parce que c'est un live en semaine là, c'est un live en semaine et j'ai commencé à 20h, ça fait 4h que je stream quand même. Merci mon Yuchi, merci ma Maudette, merci Fournaise, merci pour ta générosité, merci beaucoup. Merci Maletti. Pour une fois, je suis là jusqu'à la fin, ça m'a changé les idées. Oh, ben, je suis contente, mais on en reparlera demain si tu veux. On se trouve un petit moment pour ce bingotel et tu me raconteras. Très bonne soirée Alex, merci d'être passé même si c'était tardivement. Bonne nuit Jimmy. Dada, merci pour ton aide sur Arenala, merci beaucoup d'être venu m'aider. Bonne nuit ma Maudette, bonne nuit mon petit Gus, bonne nuit à tous, ma petite Elvie, merci d'être toujours là ma Elvie et d'assurer la sécurité du chat. Merci beaucoup, merci mon petit Myr d'avoir été là, merci Nico également. Merci, merci mon Greg, bien sûr, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un commentaire s'il vous plaît sur la vidéo parce que ça aide l'algorithme, ça aide toujours. Merci Kazuya, vous pouvez même juste mettre un pouce, genre un pouce, c'est un commentaire qui est valide pour l'algorithme, pour vous dire. Malenia, merci du fond du cœur. C'est passé vite, je t'avoue, mais on va se retrouver très vite. Je pense que je restreamerai jeudi ou vendredi soir. Donc on se retrouve très rapidement. Prenez bien soin de vous, mon petit RS. Bonne nuit à toi, Kazuya, mon ange Kalo, à qui je fais d'énormes bisous, et vive Resident Evil, je ne le dirai jamais assez. Bonne nuit mon petit Zorkan. Est-ce que j'ai dit bonne nuit à tout le monde? Il me semble. Ce me semble. Je vous fais des gros bisous. Dormez bien, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous adore et on se retrouve très très vite. Ciao ciao!